Un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision, bienvenue. L'émission, bien sûr, c'est le grand soir de lundi à vendredi entre 17 et 18h52. Vous avez beaucoup de plaisir et de bonheur à être connecté sur la télévision, les 317 du canal SAT. Une opportunité de discuter autour des sujets qui nous préoccupent et qui vous préoccupent également, vous qui nous recevez via le petit écran. Une fois que je l'ai dit, je livre le menu de ce jeudi. On aura l'occasion de parler de corruption. Oui, encore de corruption. Ce serpent de mer, du coup on essaie d'attraper la tête ou la queue et puis on ne sait pas où finalement attraper pour limiter les dégâts de ce fléau qui touche véritablement les finances publiques au Cameroun. Ce sera dans notre premier arrêt. Et puis, on parlera de fraude aux examens. Ce n'est un secret pour personne désormais. Les examens officiels, notamment au secondaire, pour cette année 2023-2024, donnent des cieux froids dans ce qui, pour ce qui est des fraudes. Et bien entendu, aujourd'hui, on questionne la venue des sanctions. Où en est-on finalement? Pourquoi ça traîne alors qu'on est en pleine correction actuellement de l'un des derniers examens, notamment le probatoire? On se demande pourquoi on n'a pas encore des sanctions qui tombent dans ce secteur alors que le flagrant délit est tellement évident pour les uns et les autres. Avec bien sûr nos invités, on essaiera de comprendre pourquoi on ne punit pas dans ce cas de figure. Et bien sûr, aujourd'hui est journée mondiale consacrée aux réfugiés. Nous nous appuyons sur cette actualité, sur ce plateau, on va revenir sur la question de l'intégration de ces réfugiés, notamment au Cameroun et pourquoi pas dans certains pays voisins, une grosse difficulté qui nous interpelle également à cette occasion anniversaire. Voilà donc la vitrine de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement, le temps d'une respiration, on accueille le panel. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699-1350-75. Par SMS ou par WhatsApp, vous pouvez vous connecter à nous et bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous connecter, à partager bien entendu vos réactions avec nous. Et de ce côté, nous ferons ce que nous pourrons pour rendre solennel ces réactions. Je rappelle également à toute fin utile aux téléspectateurs que la plateforme Facebook Info TV Cameroun est également mise à disposition. Disposition pour vous qui aimez les tabloïdes, peu importe de quel côté géographique vous vous trouvez, vous pouvez bien entendu contribuer à cette émission. Une fois que je l'ai dit, bonsoir Léonide Fouma. On rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes militant de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Je ne peux pas dire ça petit petit. Je crée même le suspense. Quelqu'un regarde. Merci. Bienvenue. Merci Rosalie. De l'honneur que tu me fais une fois de plus de m'inviter sur ton panel ô combien prestigieux avec des sujets aussi alléchants que touchants. J'ai une différente salutation à l'endroit de tes téléspectateurs d'ici. Comme d'ailleurs, et j'espère simplement être à la hauteur de leurs délicates attentes. Merci. Merci une fois de plus d'être là. Le révérend Emmanuel Paco est également sur ce plateau ce soir. Un acteur, bien entendu, de l'enseignement au Cameroun. Il est également, en fait, il va représenter la société civile. Il est également syndicaliste. Vous voyez, c'est un gros paquet autour de lui. C'est un plaisir de vous accueillir, révérend. Bienvenue. Bonsoir, Rosalie. Un chaleureux bonsoir à mes copanélistes et à tous les téléspectateurs d'Info TV de par le monde. J'espère qu'une fois de plus, je pourrai apporter de la lumière à ceux qui nous suivent et qui nous font cette fierté d'être jusqu'au tiers 17h pour suivre le grand soir. Merci pour cette nouvelle invitation. C'est toujours un bonheur, vous le savez. Maître Gilles Maillot est également avec nous ce soir. Il est juriste conseil. C'est toujours un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue, maître. Merci Rosalie, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je suis très ravi de votre invitation. D'ailleurs que je m'attendais moi à cela, parce que hier Rosalie, sur beaucoup de plateformes, j'ai vu une grande cérémonie qui m'a vraiment touché particulièrement. Il s'agissait là de la cérémonie du délégué général de la sécurité nationale, n'est-ce pas, qui annonçait déjà
que dans les prochains jours, il y aura une nouvelle plateforme, n'est-ce pas, d'établissement, ou bien une des nouveaux édifices pour établir les actes d'identité, et que cela sera fait en 48 heures. Vraiment, c'est très salutaire quand on sait ce que c'est que ce président Sésame au Cameroun, ce que c'est que la carte nationale d'identité. Donc, si au Cameroun, déjà, dans les prochains jours, dans les prochains mois, on pourra se faire une carte d'identité en 48 heures, ce n'est que salutaire. Mais comme je connais notre pays, je vous souhaite que cela ne soit seulement pas un simple slogan, mais que cela soit concret, tel que l'annonce le délégué général de la sûreté nationale. En tout cas, vous comprenez pourquoi ce n'est pas un débat. C'est justement pour la même raison. De toute façon, on attend juste la concrétisation de ce projet. On nous a annoncé précédemment qu'avant fin 2024, nous aurons les cadres nationaux d'identité en 48 heures. Donc le fait de voir l'édifice, la pose de la première pierre, ça va en droit digne. Mais maintenant, il faudrait qu'on reste dans les délais. Donc nous, on attend le délai pour réouvrir les débats. Pour l'instant, on accompagne Bangangili dans ses efforts, on l'encourage. On voudrait vraiment qu'il y arrive et qu'avant fin 2024, qu'on ait les cartes nationales d'identité en 48 heures au Cameroun, je serai la première à monter au créneau pour applaudir de quatre membres et dire merci, parce qu'on le sait, c'est très difficile. Donc pour l'instant, j'aime souvent dire, quand on n'a pas, tu ne peux pas aider quelqu'un, tu n'en fais pas non plus, tu ne deviens pas non plus une barrière. Donc on va laisser la DGSN nous offrir la carte d'identité en 48 heures et puis nous reviendrons ici en parler en cas de nécessité. Voilà pourquoi ce n'est pas un débat ce soir, vous comprenez maintenant. Allez, on va dire bonsoir Hubert Volo. Il est également enseignant, mon SG personnel, bien entendu. Il est militant cadre du citoyen actif du Cameroun, CAC. C'est un bonheur de vous avoir ce soir, bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux aînés, dont tu me fais le privilège de copartager ce plateau ce soir encore. Ce plateau quotidien, le grand soir, une mission de plus en plus courue, très écoutée, dont y prendre part est devenu un élément de privilège. Je pense que je suis un privilégié. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit pour dire que hier, ce qui a été mis en terre, c'était la première pierre. Pierre, justement. Donc, il va falloir que l'édifice lui-même sorte de terre. Mm-hmm. Et que, après la sortie de terre, qu'il soit habillé en équipement adapté, et au plus tard, espérer que nous qui attendons depuis 4 ans déjà, que notre pièce d'identité, la mienne notamment, sorte, qu'on me dise ce qui aura lieu de faire, soit abandonner la procédure engagée depuis, pour aller maintenant bénéficier d'une nouvelle qui va permettre à ce que 48 heures plus tard, j'ai ma carte. J'attends avec impatience que cette situation soit résolue, parce que je ne peux pas vous dire tout le mal que ça me fait. Beaucoup de mal. À un moment donné, je me suis déjà lassé. Les opérateurs de téléphonie mobile m'envoient les messages chaque jour, me demandant d'actualiser mon identification. Je l'ai déjà fait et je commence à me lasser. Ouais. Vous comprenez que nous sommes tous dans le même état d'esprit. Donc on va, comme je l'ai dit tantôt, laisser la machine évoluer. Comme vous l'avez dit, nous sommes au mois de juin. Il y a encore 6 mois avant qu'elle n'ait pas là. Quel édifice. Donc on regarde seulement dans le calme. J'essaie de décrire le cas de ce qui le passeport n'a pas récemment, on a construit. Justement, c'est ce que j'allais dire. On nous a dit, à d'ici fin 2024, nous, on aura nos cartes à 48 heures. Donc, nous sommes debout avec les doigts comme ça. Donc, on a vu la pose de la première pierre, on dit amen, ça avance. On attend, on vous voit les ouvriers qui vont travailler jour et nuit. Moi, en tant que construction, tel que c'est lancé, moi j'ai pas de crainte, puisque d'ailleurs, Léonie l'a dit, nous avons vu ce qu'ils ont pu faire pour les passeports, et ça se passe à 48 heures, tout le monde en est fier. Donc, on ne peut que l'encourager. Je suis pas inquiet par rapport à l'édifice. Moi, j'aurais beaucoup d'autres questions sur cette question. Parce que je me demanderais, par exemple, pourquoi
Gardez les questions, on a encore un peu de temps. C'est quand on va voir les travaux ne vont pas. Là maintenant, on va venir s'asseoir et on va dire que le père c'est comment. Pour l'instant, laisser le père travailler. Voilà. Et nous, on va s'intéresser aux sujets qui sont à l'ordre du jour. On parle de corruption, encore et encore de corruption au Cameroun. Il faut dire que la lutte contre la corruption s'annonce dans plusieurs ministères. On nous annonce des mesures prises pour barrer la route à ce phénomène. J'ai dit bonsoir à Ndenya Aké. Dernier salut, premier à intervenir. C'est le principe de l'émission, tout le monde le sait. Donc, Hubert Volo, aujourd'hui, on se bat. Il paraîtrait que les personnes en charge de cette lutte contre la corruption se battent au quotidien. Mais on a l'impression que stopper ce phénomène au Cameroun, c'est devenu une bataille sans fin. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à mettre un terme à la corruption au Cameroun? Il n'est pas évident de mettre un terme à la corruption au Cameroun dans le contexte actuel. Parce que la corruption fait partie fondamentalement de l'ADN fonctionnel du système. Politiquement, vous savez comment est-ce qu'on devient, on devient très souvent élu, soit à la tête de l'État, soit dans les... Non, on ne sait pas. Oui. Enfin, on sait que c'est à travers des élections. On sait que c'est à travers les élections. Oui, je suis d'accord. C'est au terme d'une élection. C'est pour ça que j'ai parlé d'être élu. Mm-hmm. Mais les pratiques qui accompagnent souvent cette élection sont émaillées de corruption. La corruption est souvent morale. Elle est financière. Elle est psychologique. Elle est même liée parfois aux promesses démagogiques qui ne sont pas tenues. Et c'est devenu une tradition. Vous savez également que le niveau de vie au Cameroun est tellement bas que parfois les gens sortant, malheureusement, sont obligés d'utiliser d'autres mécanismes qui ne sont pas les plus acceptés, en l'occurrence la corruption. C'est parce que quand vous avez un individu qui, au terme du mois, a 40 000, 45 000, 50, 60, 70 000 et même 100 000, et il essaie un peu de faire une analyse sur ses charges fixes. Il se rend compte à l'évidence que, quel que soit lambda, il ne peut pas. Et que d'aventure, quelqu'un vienne lui proposer une ou deux choses, quand ça n'a pas un impact direct sur sa vie, et que ça lui permet plutôt d'arrondir ses fonds du mois, il se laisse emporter par la corruption. Donc, et cet état de choses... Il se laisse emporter? Oui. Ou lui-même, il entre dans le jeu de la corruption. C'est le deux à la fois. J'ai dit qu'il se laisse emporter. Non, c'est laisser emporter, c'est que tu ne voulais pas. Et on t'a forcé. Non. Fondamentalement, on ne doit pas vouloir. Personne ne veut être corrompu. Mais les circonstances sont telles que tu es obligé d'accepter. Je suis là-bas des éléments que j'ai présentés. Mmh. Vous savez, quand vous avez trois mois d'aéré, de salaire, de loyer, de bail, si vous voulez, et que votre bailleur vous dit bonjour chaque matin, et pas un bonjour qui est éclatement lié à la politesse. Mm-hmm. Vous savez que demain encore, il va vous dire ça. À un moment donné, vous êtes dans un service, vous êtes obligé de vous faire emporter par la corruption, dans l'optique justement de résoudre ce problème. C'est pour ça que je vous dis que à côté de l'aspect politique, il n'y a que la dimension économique en a une profonde responsabilité. Et tant que cela n'est pas résolu, c'est pour ça que je vous ai également dit à l'entame de mon propos que tant que un certain nombre de choses ne sont pas résolues, la corruption aura encore un long fleuve, une longue durée. Il va davantage s'installer dans la société camerounaise. Il faut résoudre un certain nombre de besoins. Il faut, du point de vue politique, que ce soit davantage les idées qui prônent et non l'achat de conscience. Il faut que ceux qui travaillent aient minimalement un salaire assez conséquent pour permettre à ce que ils puissent sans arrière-pensée se plonger, laisser emporter par la corruption et in fine on pourra donc voir que l'État
lui-même ne perdra pas tout ce qu'il perd. Parce que ce que vous ne dites pas, enfin, vous le savez sans doute, c'est que dans le cadre de la corruption, l'État perd énormément d'argent et ce qui le met davantage en difficulté, étant incapable de résoudre si un certain nombre d'engagements au niveau macroéconomique et même le met en incapacité de payer toutes les dettes contractées à l'extérieur. Denis de Foum, qu'est-ce qui est le plus violent dans cette affaire, la corruption passive ou la corruption active? Pour expliquer aux téléspectateurs, active, hein, c'est celui qui déclenche le processus, et passif, c'est comme il a dit, celui qui se laisse emporter et qui finalement rentre également dans la danse. Qu'est-ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui est le plus violent finalement dans ce mouvement? Je crois que c'est les deux faces d'une même médaille. Et il n'y a pas l'un sans l'autre, inversement. Mais je crois que mon prédécesseur, en termes de prise de parole, a aussi fondamentalement touché la question. Elle tient de ce que l'élite camerounaise qui est aux affaires a décidé de gérer le pays d'une certaine manière. Et cette manière-là ne peut que charrier la corruption. Donc la corruption est une conséquence de cette façon de gérer. Qu'est-ce que je veux, en d'autres termes, dire? Moi, je suis un peu philosophe dans les bords. Donc il n'y a pas de souci. Prenez même avec philosophie, on va vous suivre. Il n'y a pas de problème. Donc j'aime souvent aller au fond des choses. En clair, il y a deux grands modèles d'organisation des sociétés. Il y a les modèles créationnistes qui sont empiriques, ou si vous préférez, plus anciens. Et quels sont ces modèles? C'est que l'État s'organise autour d'un individu ou d'un groupe qui est chargé de rétribuer ou de redistribuer au niveau des autres pans de la société. La principale caractéristique de cette façon créationniste est qui tient de la nature des savoirs que l'homme a eus. Quand je parle de savoir, c'est que nous avons été d'abord bercés par la théocratie, c'est-à-dire qu'on a voulu imiter Dieu. Dieu qui a tout et qui donne au prorata de ce qu'il veut aux hommes. Donc c'est ce que l'État fait et les tenants de l'État font. Ils concentrent tout entre leurs mains exactement comme des dieux. Ils nomment à tous les emplois, donc c'est eux qui régulent la société. La société n'a pas d'autre moyen de se réguler. Donc, à côté de ce modèle empirique, on a le modèle évolutionniste qui compte sur l'intelligence collective pour pouvoir se déterminer. Donc, à un moment, on met de la concurrence de telle sorte que si c'est Rosalie qui a de la compétence pour pouvoir être président de la République, et bien que des mécanismes sociaux et politiques s'instaurent pour qu'elle puisse être présidente parce qu'elle est la mieux à même de gérer la société et les intérêts de tous les citoyens. Alors, dans cette définition, où se situe le Cameroun? Je crois que c'est aussi une question importante. Le Cameroun, au fond, est une dictature, donc un élément du modèle créationniste, si je m'explique. Mais les savants sont allés plus au fond de la question. Et ils se rendent compte, il y a une littérature qui foisonne à ce sujet, que le Cameroun est une démocratie, c'est-à-dire une dictature qui a des oripeaux de la démocratie, mais qui au fond fonctionne comme une dictature. Alors, vous êtes dans un modèle de société où il n'y a pas de concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence, ce n'est pas au prorata de vos efforts que vous êtes rétribué, mais de votre engagement à soutenir le système. Donc, les logiques que la société camerounaise affiche en termes de rétribution et de capacité à progresser dans la société ne sont que des logiques clamées. Mais en réalité, c'est les logiques qui président à cette évolution et à l'accès matériel au Cameroun sont des logiques occultes. Elles sont des logiques occultes. Quand je dis occultes, c'est que ce n'est pas ce que la loi dit. On va vous dire que non, il faut être intelligent pour intégrer une telle école. Mais vous-même, vous savez que le soir, quand les gars s'asseyent pour concocter les résultats des différentes écoles et tout, vous n'êtes pas là, je ne suis pas là, ils font ça entre eux. Et ils y admettent qui ils veulent. Donc, ça se passe comme ça. Quand il faut faire le gouvernement, la République,
on connaît les technologies les plus élaborées, notamment les gouvernements successifs. Puisqu'on va aussi parler de l'éducation, vous allez vous retrouver avec une éducation nationale qui est entre 4 à 5 ministères dans notre pays, juste parce qu'il faut satisfaire une certaine clientèle. Ce n'est nécessairement pas un souci d'efficacité que l'on recherche, mais en multipliant les postes, comme on a tué la concurrence, celle que tout le monde connaît, eh bien, on crée des postes de clientèle pour que ces gens-là puissent d'une manière ou d'une autre récompenser. Je chute maintenant par l'éthique en politique, parce que nous y parlons. Nous en parlons. L'éthique en politique est fondamentale. Parce que quand le politicien a volé pour pouvoir être qui président de la République, qui délégué du gouvernement ou maire ou député quelque part, ne lui demandez pas à ce qu'il vienne scier la branche sur laquelle il est assis. Ça n'a pas de sens. Et c'est là où, en principe, la révolution de notre société et des mœurs doit commencer. C'est au niveau des mœurs politiques. Si on y met pas, n'est-ce pas, de l'éthique et une certaine volonté d'assainir. Et d'ailleurs, qui veut à ce que la corruption finisse? C'est ceux qui n'ont pas encore voix au chapitre. Quand on va le voir que son papa a travaillé, il est à la retraite, les gens qui ont recruté son père dans la fonction publique, et ils sont encore là, on n'est même pas sûr qu'ils vont partir. Ils se posent des questions sur sa capacité à pouvoir évoluer et à s'en sortir dans ce système. Donc, c'est les nouvelles générations qui demandent à ce qu'elles aient voix au chapitre. Mais vous voyez bien que si tu n'es pas le fils de tel, tu n'es pas affilié à tel groupe sociopolitique ou à un tel autre, il sera très difficile d'évoluer. C'est pour cela que Atebeyen en parlait avec une verve, je vais dire, venimeuse. Mais nous sommes dans des logiques de détermination occulte de notre société. Parce qu'à son temps, qui favorise la corruption. Si vous n'entrez pas dans les réseaux, vous ne vous en sortez pas. D'accord. Le mot que tu as esquivé jusqu'à empirique, c'était pour éviter de dire que notre État est hyper centralisé. Alors que c'était facile pour tout le monde, là, que hyper centralisé, même la grand-mère qui est au village devait comprendre que tout est concentré comme ça. Et oui, puis c'est vrai, c'est vrai. Chacun court vers le même chemin, exact. Alors c'est obligé. C'est tout ce que tu voulais nous dire. Oui, c'est un seul Dieu. Mais on a compris. Monde, hein. Moi, j'ai très bien compris. Ce que je fais là, j'essaie d'alléger pour les téléspectateurs qui n'ont pas. Tout le monde n'a pas le même bagage quand ils suivent le grand soir. J'aime qu'au bout de l'émission, même ma mère qui frit le beignet est très bien compris. Et surtout que Léonie a commencé à convoquer la philosophie. Il a convoqué la philosophie. À la dame, tout le monde avait un minimum bac. Il faut minimum bac pour comprendre la philosophie. Il a développé. C'est très clair. Hein, pour lui, il a plus axé sur la politique. Bien entendu, mon cher révérend Emmanuel Paco, on constate, hein, lui, il trouve que c'est le système de gestion politique du Cameroun qui développe cette question de corruption. Et tant qu'on ne modifie pas cette façon de fonctionner, il n'y a aucune chance que la corruption s'arrête au Cameroun, parce que tout le monde, n'ayant pas droit au chapitre, ça va être compliqué. Tu es obligé de suivre le vent, et puis quand ton diffre tombe, tu prends pour aller gérer tes problèmes. Sinon, après, tu fais comment? Oui, mais Ozali qui dit politique dit également celui qui met en œuvre les règles de vie sociétale. Ouais. Donc, c'est un fléau de société, la corruption au Cameroun. Ouais. Parce qu'effectivement, la politique ayant établi un système de paupérisation des masses, on ne peut pas prétendre lutter contre la corruption pendant que tout le monde est pauvre. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption pendant que les citoyens ont à peine de quoi manger. On ne peut pas prétendre lutter contre la corruption alors qu'on ne donne pas les conditions de vie idoines à ceux qui doivent pouvoir se révolter contre cela. Hubert a commencé par dire que on est obligé de suivre. Et pendant qu'il disait qu'on est obligé de suivre, moi j'ai pensé à l'acteur qui est lui-même victime. Parce qu'en fait, certains se retrouvent acteurs, c'est-à-dire que corrupteurs, mais tout simplement parce qu'ils sont des victimes de la société qui est totalement corrompue, qui est totalement dégradée, qui est totalement perdue, si je peux utiliser ce terme-là. Parce que
comment est-ce que, vous voyez, lorsque vous prenez un noyau, disons même familial, qui est le premier noyau de société, lorsque vous avez une personne dans la famille qui, on va l'appeler comme ça, la plus aisée de tous, qu'est-ce que nous remarquons dans ce système de population qui est notre système de gouvernement? Nous remarquons que celui qui a ne t'apprend pas à pêcher comme on nous a dit à l'école, mais il préfère te donner du poisson tous les jours. Le fait de te donner du poisson tous les jours te maintient à ses pieds. Et tant que tu es à ses pieds, il est le seul pourvoyeur, il est la seule personne capable de te permettre de subsister, parce que nous vivons à peine. Et quand tu cherches ta voie, tu ne peux pas résister aux entourloupes ou encore au contournement de voies régulières. Tu ne peux pas résister à l'envie, toi aussi, de devenir. Et dans cette envie de devenir, on finit par ne plus par manquer de moralité. Déjà, que est-ce que notre société aujourd'hui parle encore de moralité? Où sont passés nos mœurs et autres? Donc, on n'a plus de repères. Et lorsqu'on n'a plus de repères, et on cherche sa voie, par tous les moyens. Et comme on se contente donc de cette expression qui dit que tout chemin mène à Rome. Donc l'essentiel est d'arriver à Rome. Si je peux aussi arriver à sortir ma tête de l'eau, quel que soit le chemin par lequel je suis passé, l'essentiel est que je sorte ma tête de l'eau et que les autres commencent maintenant à ramper après moi. En fait, c'est le système dans lequel nous sommes qui est un système de gouvernement qui maintient justement le peuple assujetti et qui, par le fait qu'on soit dans la malhonnêteté, on n'a pas la capacité de pouvoir revendiquer valablement, on n'a pas la capacité de pouvoir se prendre en charge. Celui qui ne peut pas se prendre en charge ne peut pas se projeter. C'est une nécessité qui vit de l'aide. Et tant que tu vis de l'aide, tu as du mal à te projeter. Parce que pour te projeter, pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer, pour pouvoir se prendre en charge, il faut avoir un certain moyen. Or, ce sont ces moyens-là qu'on ne te permet pas d'avoir. Et c'est exprès. C'est pourquoi je dis que c'est un mode de gouvernement, c'est un mode d'administration qui fait de notre société ce qu'elle est. Et la corruption est un fléau. Maintenant, comment combattre ce fléau? Comment en sortir? Nous allons revenir toujours aux questions politiques, parce que tout part de cette volonté politique. C'est cette volonté politique qui a permis que ceci soit fait ainsi. Il faut bien qu'il y ait une autre volonté politique qui veut en sortir. Et lorsqu'on a la volonté, le désir d'en sortir, on sait trouver les voies pour combattre. Vous voyez, dans nos administrations publiques, un peu partout, il ne manque pas de celui de lutte anti-corruption. Ouais. Il ne manque pas, un peu partout, les affiches, c'est partout, le service, mais quel service est gratuit au Cameroun? Quel service? Quel dossier avance tout seul depuis qu'on en parle? Donc il faut toujours courir, et lorsqu'on court, on se doit. Et on se rend compte que c'est lorsqu'on se doit que ça avance. Si tu veux que ça marche, tu es obligé de faire comme les autres, comme il a dit. Tu es obligé. Et donc c'est pourquoi je dis, nous avons dans la passivité dont tu parles, nous avons des acteurs passifs, mais en fait qui ne sont que des victimes. Ben, ils y sont pas parce qu'ils veulent trop corrompre ou être corrompus, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le système. Il faut faire comme les autres. Ben, non, pas forcément faire comme les autres, mais il faut survivre. Ben, alors, pour survivre, il n'a pas le choix. C'est le chemin qu'il a. On a toujours c'est le la choix. Voie qu'il a. Non. Quel choix nous avons aujourd'hui? Quel choix on donne à quelqu'un qui gagne, comme il a si bien dit, quelqu'un qui gagne 40 000 francs? Quel choix on lui donne? S'il doit prendre ne serait-ce qu'une chambre à coucher, pour lui tout seul, ne parlons pas encore de femmes, d'enfants et tout ça, pour lui tout seul, il paye sa chambre à coucher à combien? Il se nourrit à combien? Il se déplace pour aller à son job où il gagne les 40 000 francs à combien? Il se soigne à combien? Il s'habille à combien? Quel choix on lui donne? Le seul choix qu'on nous donne, c'est de voler. Si. Tout simplement. Parce que si vous finissez la journée de travail et que vous devez revenir demain, en tout cas, les 250 avec lesquels vous avez payé le taxi pour venir vous ont permis d'être au travail, vous faites face à une situation, il faut rentrer, il faut revenir le lendemain. Et que vous avez un service que vous devez offrir à un citoyen, un usager, qui vous propose de l'argent. Vous vous faites violence le premier jour, mais je suis sûr que le deuxième jour, quand vous allez arriver à la maison, vous faites le point, vous dites, mais demain, si ça continue comme ça et que le monsieur là vient,
Je dois pas. Si vous dites même ça à votre épouse, pour ceux qui en ont, ils vont vous demander, mais je dis, toi-même, tu es comment? Tu crois que c'est Dieu? Tu crois que qui a envoyé le monsieur là? C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà un peu la situation. Mais tout cela, c'est puni par la loi, maître. Bien évidemment, c'est vraiment puni par la loi sur les textes. je voudrais être un peu concret, ouais. Dans ce sens que, si on moi, me pose la question, est-ce que la corruption aujourd'hui au Cameroun est un fléau? J'allais dire non. C'est une habitude de vie. C'est devenu consubstantiel à l'existence de tout Camerounais. Parce que je ne connais pas d'abord un Camerounais qui ne soit pas corrompu. Première chose. Deuxième chose, c'est que la corruption est entretenue par l'État du Cameroun. Mise en place et entretenue par l'État du Cameroun. Il n'est pas superflu de penser que l'État nous a menti. C'était un gros mensonge. De penser que il faut combattre la corruption. On a mis en place un certain nombre, n'est-ce pas, d'institutions. Un certain nombre d'institutions. Et un ensemble, n'est-ce pas, de textes qui combattent la corruption. Mais comment voulez-vous que... Parlons simplement de la CONAC. La CONAC s'introduit dans des services, fait des rapports, et envoie à qui des droits. Ces rapports sont bloqués au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire le manque de répression fait en sorte que la corruption s'est installée et est devenue une habitude. Parce qu'en réalité, la corruption ne peut pas être efficacement combattue. Donc, parce que s'il faut que... ne sert à rien puisque... Parce que s'il faut que... C'est celui, n'est-ce pas, qui est combattu, qui doit lui-même s'auto-sanctionner, c'est difficile. Parce que la corruption, là qu'on a fait son rapport, il vous envoie. Et que c'est vous-même qui devez, que vous devez dire à la justice qu'il faut sanctionner, qu'il faut me sanctionner. Alors, je ne sais pas si vous-même, Rosalie Guesselé, avec toute votre honnêteté, si vous recevez un rapport, n'est-ce pas, qui vous discrimine, enfin, qui fait de vous, n'est-ce pas, celui-là qui sera sanctionné, c'est parce que vous allez signer rapidement et envoyer sur le procureur pour qu'on vous interpelle le lendemain et puis vous serez éducé et puis condamné. C'est pas... Donc nous sommes bloqués. En réalité, et comme le président l'ont dit, nous ne pouvons même plus avancer dans la lutte contre la corruption. Combien de rapports de la CONAC sont bloqués à ce jour? Regardez Olembe Gate, Covid Gate, ceci gate, cela gate. Mais la corruption, il n'y a pas que la CONAC, il y a le contrôle supérieur de l'État qui a des rapports. Il y a également la Chambre des comptes qui a des rapports. Mais il y a la NIF qui a des rapports. Mais pourquoi c'est bloqué? Alors, lorsqu'on regarde même d'abord au niveau de l'appareil de l'État, les services où la corruption gangrène, le premier service au Cameroun, c'est la justice. Il n'y a pas pire. Je vous dis que au Cameroun, je dis la corruption s'est installée. Dès que vous dépassez le seuil de la justice, rentrez maintenant ceux qui collaborent avec la justice, c'est-à-dire que les auxiliaires, là, la police, la gendarmerie, l'armée, ça a fait son lit là-bas. Quand vous traversez ce strade, vous arrivez au niveau de l'enseignement, de l'éducation. Là-bas, c'est autre chose. Quand vous arrivez maintenant dans d'autres administrations, on vient de lancer le concours de l'UNAM, je crois, aujourd'hui ou hier. Mais les gars sont fiers. Vous allez voir, aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas 2 millions pour payer un concours, vous donnez intérêt, c'est vrai. Donc les gars sont là maintenant, ils sont forts. Donc c'est pour ça qu'en réalité, les conséquences, je voudrais aller dans ce sens, les conséquences de la corruption, c'est que c'est le pays qui en pâtit. Il y a deux strates. Il faut stratifier la corruption au Cameroun. La corruption de haut niveau, qui peut passer aussi par les hautes institutions. On a mis en place un ministère des marchés publics, par exemple. Et lorsqu'un marché arrive, quel que soit le type de marché, ça doit passer par les règles de l'art. Il n'est donc pas question qu'on écrive à un ministre, par exemple, que sur haute instruction, donner ce marché à terre, ça c'est de la corruption. Et il faudrait que tout le monde soit mis dans les mêmes, placé dans les mêmes conditions pour pouvoir, n'est-ce pas, compétir et que le meilleur puisse gagner. Mais il n'y a pas un super... Comment dire, candidats qui puissent bénéficier des hautes instructions pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, un certain nombre de marchés. C'était pour le marché. Donc, en réalité, le plus sont même des marchés attribués par instruction, par note ou par recommandation. On se retrouve face à des gens qui ne peuvent même pas faire des prestations jusqu'à la fin. C'est ça qui est la question. Quand, bien même, au moment de concours,
les candidats, tout le monde compose, mais d'autres passent par certaines voies pour pouvoir avoir ces concours. On a la fonction publique des piètres fonctionnaires. On a à l'école normale, dans des grandes écoles, des candidats qui n'ont pas de niveau. Donc quelqu'un sort de là, il ne sait même pas où c'est qu'il a, c'est pourquoi il a été formé. Tout simplement parce qu'il a été mis. Donc c'est la société qui régresse, au lieu de progresser. Donc les conséquences sont tellement fâcheuses que vraiment, si l'État était un État, notre État-ci, était un État qui était conscient et soucieux du développement du Cameroun, on devrait arrêter cette saignée. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est hyper endetté. Je vous jure. Vous savez pourquoi le Cameroun est hyper endetté? Parce que c'est la corruption. Vous ne pouvez pas parler d'un État prospère, c'est-à-dire qu'un État émergent qui a des ressources. Mais vous plongez de l'argent dans des choses que vous savez qu'ils ne peuvent pas produire. N'est-ce pas? Regardez par exemple le produit intérieur brut. C'est-à-dire que vous prenez de l'argent, vous mettez dans le stade. Vous prenez de l'argent, vous mettez dans les barrages qui ne produisent rien. Vous prenez de l'argent, vous mettez dans les ordinateurs des étudiants. Vous prenez de l'argent, vous mettez dans des choses qui ne portent pas une certaine plus-value à notre économie. Pendant ce temps, quand cet argent est bloqué, vous avez encore besoin d'argent, vous partez encore emprunter. Je vous dis que sur le jour d'aujourd'hui, on essaie de comptabiliser la dette extérieure de l'État. Vous allez vous rendre compte que nous allons continuer à payer cette dette. Même dans 50 ans, le Cameroun sera toujours endetté. Plus nous avançons, plus nous faisons que contracter les dettes pour des choses de futilité. Pour des futilités qui, en réalité, ne servent même pas au Cameroun lambda. Ce que le Cameroun lambda demande à l'État du Cameroun, c'est pouvoir se loger, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir s'éduquer. Tout le monde ne veut pas être ministre. Le problème basique. Tout le monde ne veut pas être ceci ou cela. Mais si on était dans un état où on peut se suffire au moins à 50%, on n'aurait pas ce mal. Mais regardons aujourd'hui, on nous a dit par exemple que l'école est gratuite. Donnez-moi une seule école qui soit gratuite au Cameroun. L'école n'est pas gratuite au Cameroun, tout au contraire. Lorsqu'on a amené le slogan selon lequel l'école est gratuite, c'est le même jour là que l'école a augmenté. Alors, au lycée Leclerc, dans les grands lycées du monde, partant même de Yaoundé, là, dans les écoles de Yaoundé, les établissements d'enseignement secondaire coûtent un peu plus cher que dans l'arrière-pays où il n'y a même pas des enseignants. On se pose donc la question de savoir. Le plafond, c'était pour vous. 25 000. Alors, on se pose donc la question. La question qu'on se pose donc de savoir, n'est-ce pas, est celle de savoir où voulons-nous aller. Si ce n'est pas de l'hypocrisie qu'on mène là tous les jours, moi, à mon sens, c'est que, comme nous sommes déjà habitués avec la corruption, mais comme on vit avec. Vraiment, allons-y nous tous. Si lui-même, il est tombé dans la corruption, qui va donc réprimer? Qui va réprimer la société? Qui va punir qui? Donc la corruption, si c'est lui qui est censé punir la corruption, lui-même il est corrompu, lui-même il est dans la corruption, et donc la corruption ne peut pas punir. La cause donc à celui qui va corrompre le premier ou qui aura la chance d'être corrompu le premier. Donc à d'autres termes, on écrase la CONAC, on écrase le CONSUPÉ, on écrase la NIF. En fait, toutes ces structures-là, on récupère l'argent qu'on investit là-bas et puis on valide la corruption au Cameroun. Quoi. Oh, c'est même déjà validé? D'accord. Donc ça ne sert plus à rien d'écrire lutte contre la corruption. Hein. Apparemment, pour les Camerounais, c'est comment allons-nous cohabiter dans la corruption désormais? Voilà la bonne thèse. C'est ce qui vont accompagner la corruption, la gestion de la corruption. Parce que tout le monde tape la tête sur le plateau, ça veut dire. Ça veut dire que c'est à qui, quoi? Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que on est en train d'expliquer aux Camerounais. Ouais. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas changer? Pourquoi cette lutte ne va pas changer? On fait une analyse profonde. Non, j'essaie juste de comprendre. On a dire, et je suis d'accord avec Maître qui dit que ces structures-là ne peuvent pas résoudre le problème. Le problème au Cameroun n'est pas la répression de la corruption. Mais le gouvernement du Cameroun. Je vous dis que les gens, s'il est vrai qu'il y a une partie, une infime partie qui peut faire sans. Être corrompu, parce qu'en réalité ils sont dans une opulence, mais curieusement ce sont eux qui sont impliqués dans ce que Melk appelait Stardegate, c'est quoi là, Kangate, parce qu'on connaît, c'est des gens qui ne sont pas comme vous et moi, Glencorgate, pour être assis autour d'une table, négocier un marché de milliards, il faut être milliardaire. Mais la petite corruption est difficile à être éradiqué par la répression. Pour qu'elle soit éradiquée par la répression, il faut d'abord
améliorer les revenus des uns et des autres. J'ai très bien compris. Si vous n'avez pas amélioré, et c'est pour ça que nous disons, nous au CAC, nous disons que la première chose, c'est revoir le salaire, les revenus des gens à la hausse. À partir de là, on est donc exigeant et donc les mécanismes de contrôle peuvent être davantage implémentés. Si on n'est pas dans ce schéma-là, tout ce qu'on fait là, c'est de l'enfumage. Mais on va augmenter les revenus, on va augmenter le pétrole et le carburant. Et ça aussi, il faut donc, en augmentant, réguler pour que ce ne soit pas une augmentation à gauche, que ce soit comme à l'école. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au lycée, on ne dit pas aux gens, l'inscription au premier cycle, c'est 7500. Mm-hmm. Au second cycle, c'est 10500. Mm-hmm. Vous voyez, c'est le texte qui dit ça. Mais on vous dit que l'APE, lui, il est à 25 000. Mm-hmm. Vous ne comprenez pas, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Une chose qui est régulée de, avec les textes coûte moins cher, et une autre chose qu'on disait tout à l'heure, qu'on a plafonné à 25 000. Est-ce que c'est sérieux? Donc, il y a deux niveaux d'appréciation. Et je continue à dire, tel que Thomas Sankara le disait, seul le combat libère, en réalité. Il y a deux niveaux d'appréciation de la situation. Mvolo, qui est peut-être comme moi, c'est que quand tu as le courage de sortir et de venir dans les médias comme nous, c'est ta carrière administrative, si ce n'est pas ton bord, c'est évident, ton pouvoir que tu aliènes. Donc, il y a, je veux dire que c'est des brimades intrinsèques que tu sais que tu vas recevoir. D'autres subissent même souvent des représailles plus fortes que ça, lorsque l'on s'engage. Donc, je disais qu'il y a deux niveaux d'appréciation de la chose. Du point de vue du système, c'est-à-dire de ceux qui sont au pouvoir, eux, ils n'ont rien à voir avec vos problèmes de gouvernance. Hein. Leur problème, c'est de se maintenir et de maintenir leur pouvoir, de maintenir leurs privilèges autant qu'ils pourront les maintenir. Ça, c'est le premier niveau. Et il y a le second niveau, des rêveurs. Et il faut continuer justement à rêver. Le peuple camerounais, les Camerounais doivent continuer à rêver, sinon vous êtes morts. Vous êtes morts. Donc, nous qui disons que cette société peut être gouvernée autrement que de la façon dont elle est gouvernée, nous profitons des petits interstices que l'ordre gouvernant nous donne encore. Par exemple, venir à ta télévision pour parler, mais nous savons que ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. D'accord. Et nous acceptons cela. Donc, la corruption du système en elle-même, et c'est là où je voulais en venir, cette corruption-là est consubstantielle à l'évolution du système. Et je dis qu'il faut combattre. Parce que quand les Camerounais ne disent rien, j'ai par exemple observé la façon de faire du gouvernement camerounais. Fut une fois, ils ont augmenté le carburant parce qu'il n'y avait pas de grogne sociale. Même au niveau des salaires, ils n'ont rien fait. Mais lorsque les forces vives de la nation se lèvent et décrivent un certain nombre de choses, eh bien, le gouvernement fait quand même semblant de bouger, même si les problèmes de fond restent. Mais je me dis que c'est en ayant l'âme combattante, l'âme militante, qu'on va arranger un certain nombre de choses. Et que, fondamentalement, il faut une révolution. D'accord. Pour que ça change. Quand je parle de révolution, les gens ne voient que la capacité à prendre les armes et à battre l'autre gouvernant. Non. Il y a aussi souvent des révolutions sociales, n'est-ce pas, qui portent certaines revendications et qui aboutissent à des changements. Et moi, je crois à ce type de changement. C'est pour cela que lorsque tu m'invites sur ton plateau, je viens très rapidement. Je viens rapidement. D'accord. Bonsoir, Madame Rosalie. La corruption est inscrite dans l'ADN du Camerounais. Vouloir l'éradiquer reviendra à purger le Cameroun des individus âgés de plus de 5 ans. C'est Charles depuis Obama qui dit qu'on court dans le sac. Apparemment, d'après lui... À 5 ans, on est déjà corrompu.
Bonsoir Rosalie, c'est les hautes instructions qui alimentent la corruption. C'est Marie-Louise depuis Douala. On va au Gabon. Bonsoir, le plateau combat de la corruption est fort souhaitable, voire possible, à condition que la mission ne soit pas confiée aux corrupteurs corrompus eux-mêmes. Est-ce envisageable ou imaginable au Cameroun? Donc en vérité, c'est mission impossible. Richard depuis Libreville au Gabon. La corruption est le poids qui porte le Cameroun. Si on l'enlève, on a un autre pays. Ah ouais. Ah ouais. On va en Guinée. Bonsoir Rosalie. Ne soyons pas dupes. Si le RDPC lutte effectivement contre la corruption, il va perdre tous ses militants. Ce qui implique automatiquement la perte du pouvoir. Parce que les militants du RDPC tiennent debout grâce à la corruption. C'est un partenariat donnant-donnant. Tous les hauts cadres du RDPC sont des corrompus. Je dis bien tous sans exception. Ils ont sacrifié le Cameroun pour leurs bénéfices personnels. C'est Achille depuis la Guinée. Équatorial. Bonsoir Rosalie. Pourquoi les Camerounais n'aiment pas dire ce qui est visible par tous? On m'a appris en droit que l'achat des consciences fait partie de la corruption. En 2017 et 2018, on a assisté à deux formes d'achat de conscience, à nul autre pareil, et personne n'en parle. 500 000 ordinateurs aux étudiants, tous les termes, sous le terme le don du chef de l'État, et des millions de pagnes et autres gadgets offerts aux Camerounais sans leur avis, sauf que le timing trahissait la soi-disant générosité. C'est Monsieur Zigli qui nous écrit ce soir. Autre réaction. Bon, vous qui ouvrez des dossiers autres que ce qui m'intéresse à cette heure-ci, je ne sais pas ce que je suis censé faire, moi. Bonsoir, Rosalie, à ton panel. La corruption ne pourra jamais finir au Cameroun. Tant que les loups de la fortune publique seront les mêmes personnes qui décident encore qui on doit arrêter. La preuve, la Chambre des comptes a fait un rapport sur la gestion du COVID-19 et la gestion de la construction du stade Olembé, ces deux projets pilotés par le secrétariat général de la présidence de la République. Et ce rapport de la Chambre des comptes a été également déposé au même secrétariat général. Comment pensez-vous donc que celui qui a volé va arrêter les autres voleurs, sachant que lui-même est un voleur? C'est Bama, Bertrand Bama qui nous écrit. Bonsoir, très belle émission. Il n'y a pas véritablement une lutte contre la corruption parce que le système en place favorise la corruption pour se maintenir. Qui ignore que la police et la gendarmerie sont en route et prennent de l'argent? C'est tout un circuit. Qui ignore que dans certains ministères, pour être nommé, il faut donner des millions. Que dire de certains concours? C'est Billon Alain depuis Pouma. Très belle robe à pois d'une couleur orangée pour un bon dessert médiatique. Léonie de tout sourire du fait de sa proximité avec le partillon pyromane du Grand Air. Paco, sûrement avec du sel béni pour une luminosité dans ce triangle. Maître, il faut laisser le jeune comme on aime à l'appeler avec sa CNI. Hubert, l'églisien de la mission de Tinga, fervent servant de messe. Il y a des années, le Nongui disait qu'on lui apporte des preuves en vue de la malgouvernance régnante à se transformer plus tard en guette. Aujourd'hui, ayant laissé la corde extrêmement longue, ce dernier ne sait à quel point tuer cet anaconda des océans comme l'a fait au Ghana à une époque feu Rawlings. L'opération épervier est une apparence flatteuse mais trompeuse à traîner dans la gadoue le peuple souverain. Chers panélistrons, avez-vous déjà vu un poisson acheter la maison qui va le pêcher, Minalmi? Bienvenue la chose là. C'est ma soeur. Bonsoir à tout le panel. Et à vous particulièrement, Rosalie, pour les thèmes très intéressants que vous nous proposez chaque jour. La corruption, une gangrène au même titre que ces maladies qui nous déciment tous les jours dans notre pays. Mais donc les effets dissuasifs restent éphémères. J'ai dans une vidéo aujourd'hui le directeur du Trésor qui dénonçait ce fléau parlant de la route Ebolo-Vacom 2 Kribi que certains ont pris en otage pour des besoins de mouiller d'abord la barbe en termes de milliards avant de faire signer des engagements devant permettre leur début. Mais hélas, comme cela n'a pas marché, rien n'est fait jusqu'à maintenant. Félicitations à ce directeur qui a eu le courage de le dénoncer, et vivement des mesures fortes soient prises. Trop c'est trop. Onana et Dinga, lui, depuis Yaoundé au Cameroun. Toutes mes excuses, je voulais parler du directeur des impôts. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous avez vite fait de rectifier. Bonsoir Rosalie. J'ai composé une chanson au titre de corruption pour la lutte contre la corruption. Si vous me communiquez
Vous allez me télécharger ça. La corruption est institutionnalisée, les populations sont clochardisées, avilies et trouvent dans la corruption une sorte de panacée. Bonsoir à tout le panel. Ruben de Yaoundé, tout le monde ici dit qu'on ne peut pas tuer la corruption. Maintenant, ta chanson, on va faire comment avec? C'est pour danser la corruption. Bonsoir, bonsoir à ton panel sympathique. Il y a des attitudes qui encouragent la corruption, le manque de morale ou d'éthique des agents publics, l'impunité des actes de corruption, la recherche des gains faciles et les lenteurs administratives. C'est un serpent de mer juste parce qu'il n'y a pas une réelle volonté de l'exterminer. La création de multiples cellules de lutte pour la combattre n'est que pure gesticulation, artifice, fantasmagorie. C'est Joe depuis Como. On met le cap sur les États-Unis d'Amérique. Bonsoir Maman Rosalie et bonsoir aux panélistes. Un rassemblement d'hommes plutôt calme et respectueux ce soir. God bless all for you this evening. Quelques preuves physiques de corruption sont le gant de poids et les dépenses de luxe. Je vous donne une autre idée pour lutter contre la corruption. Installez la machine à balance à deux entrées de chaque bureau de fonction. Les rechercheurs de gants personnels seront exposés avec leur gant de poids. Les personnes suspectées qui gagnent plus de 5 à 10 kilos pendant les premiers 6 mois de leur poste de fonction seront mises à l'écart si mes enquêtes précédentes montrent preuve de détournement. Blondel depuis les États-Unis. En tout cas, donc si je te suis bien, si on me reprend, on me met un poste de responsabilité, on met une balance devant le bureau. Si on se rend compte qu'au bout de 6 mois, mon poste, j'ai augmenté 5 à 10 kilos sur mon poids, ça veut dire que je détourne de l'argent et qu'on doit m'enlever sur ce poste. Et c'est vrai que c'est pas faux, hein. Je connais des gens qui étaient maigres comme ça dans leur souffle. Non, c'est bien faux. Hein. Et qui ont pris un volume extraordinaire. Par exemple, pour ce président, tu stresses et puis quand tu changes, tu es à l'aise, tu commences à voilà, tu prends le poids. C'est la vie qui est 6 mois, non, c'est que tu es confortable. Mais c'est une bon, idée, hein. Vous allez voir quelqu'un qui sort de l'ENA et peut-être inspecteur des impôts, prenez ça comme ça, qui après 3, 6, 4 mois, et non, 6 mois, 1 an, il vous compte ses biens qu'il a déjà à partir de son poste. Mais là, vous ne revenez pas. Mais c'est un indicateur fondamental. On finit avec le message. Bonsoir aux alliés au panel. Pour vaincre la corruption dans ce pays, il faut la justice. Augmenter les salaires de 100% et après couper les bras aux corrompus et aux corrupteurs. Pignam depuis Yaoundé. J'aime ta proposition. Bonsoir à tous en studio. La corruption est le carburant qui maintient le régime RDPC au pouvoir. La corruption s'arrête, le RDPC perd le pouvoir. Il n'y a aucune volonté politique de lutter contre la corruption, sinon le décret d'application de l'article 66 de notre Constitution serait déjà promulgué. Toutes les institutions de lutte contre la corruption sont assujetties à la présidence de la République qui décide de l'opportunité des poursuites. Ces institutions n'ont aucune autonomie d'action. Quand tu ne voles pas, on ne te nomme pas au poste de responsabilité. Comme ça, on ne te tient. Comme ça, on te tient. Car à tout moment, on peut te jeter en prison. C'est Eric Pinglap du Social Democratic Front qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie. Si le vol est en maintenu par le régime en place, pourquoi ne pas laisser tout le monde voler? Au lieu d'emprisonner le petit voleur du quartier qui ne vole même pas comme ces grands voleurs-là. C'est Antonia depuis Odia. 50 personnes n'aura plus le sommeil aussi. Hein. Bonsoir Rosalie, la paix est bien. J'ai dit ça, je n'ajoute rien. Yaya Belo. Bonsoir la rose sans épines. La corruption au Cameroun, sauf la résurrection d'Albert Einstein pour la résoudre. Sandra, depuis Odia. Guinée équatoriale, bonsoir la rose nationale et à ton panel. La corruption est devenue une habitude au Cameroun à tous les niveaux, au point où même pour être simplement vigile, il faut choco. N'en parlons pas de l'ENAM. Tout Camerounais sait que pour avoir accès à l'ENAM, il faut garder au moins 2 millions de francs CFA. L'usager qui n'a pas de CNI dans une barrière de police, c'est qu'il faut donner 500 aux policiers. Rosalie, la corruption est devenue le quotidien des Camerounais. C'est Marie qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale. Bonsoir le plateau, nous sommes déjà amis avec la corruption. Vivons seulement avec Rosalie. On est déjà amis, hein. C'est compliqué, on est ami. Bonsoir madame, monsieur Paul de Yaoundé, parler de corruption au Cameroun, c'est mieux. Nous vendons ce pays à un frontalier étranger et nous partageons l'argent. Le Cameroun est le seul pays au monde où les ministres organisent les fêtes lorsqu'ils sont nommés d'un poste à un autre. Si on te nomme, tu es quand même content, tu peux manifester, non? Non?
Bonsoir Rosalie, nous sommes morts depuis et enterrés par la corruption. C'est le pygmée de Batouri. Bonsoir Rosalie, le chef de district de santé me demande 250 000 pour exhumer un corps. Bella Pierre. Bon, c'est plus complexe, hein. Bonsoir Rosalie, la corruption va finir, c'est juste une question de temps. Dieu donné de Diapouma. Une question de temps. Bon, c'est très nombreux, je vais m'arrêter. Bonsoir Madame Rosalie, ce n'est pas le bâtiment qui fait les cartes, mais ce sont les machines. Où en sont-elles? Tout ceci, c'est pour brouiller les élections à venir. Tchatchou, depuis Douala, qui revient sur la question des cartes nationales d'identité. Bonsoir le panel. J'ai envie de rire lorsqu'on parle de lutte contre la corruption. Hein. C'est la même histoire de lutte contre la pauvreté où les riches se réunissent pour parler des problèmes des pauvres sans inviter un pauvre. Le Cameroun, c'est la corruption même. On devrait même changer le nom en corruptionnoun. En corruption Meroun. Le peu qui ont des valeurs finissent très pauvres et frustrés. Donc on gagnerait à introduire l'eau bénite à Kamwata et un peu partout. Vivement la carte d'électeur. Aristide de Puissoua. Allez, on prend une transition, on revient pour la suite. Contre la corruption au Cameroun. On va s'intéresser à présent aux fraudes, aux examens officiels. Hein, révérend. Je ne sais pas si vous allez me dire que vous n'avez pas vu la corruption de cette année à ciel ouvert, au point où on avait les corrigés des épreuves sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est le pompon, comme quelqu'un dit souvent communément, on a atteint le sommet. On ne sait plus ce qu'on veut. Et là, on en est quasiment à la fin des examens. On n'entend pas parler d'enseignants dégagés, de proviseurs punis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, quand ça atteint ce degré quand même, c'est votre secteur. On s'attend quand même à ce qu'il y ait des réunions en urgence pour éviter, pour faire quelque chose. Mais pourtant, ils sont en train de corriger déjà ces feuilles-là, comme si de rien n'était. Rosalie, enseignants dégagés, sanctions et autres, je pense qu'il y a des mouvements qui sont en cours. Il y a des décisions qui sont prises. Mais peut-être sur lesquels la communication qui est faite ne se rapporte pas à notre sujet dont nous parlons maintenant, qui est la fraude des examens. Donc, on ne saurait dire que ceux qui sont mutés, qui sont relevés ou autres, sont relevés du fait de leur activité dans cette fraude-là. Mais tous ces derniers temps, nous suivons les médias dits officiels. Pour ne pas parler de radio et la presse écrite que nous connaissons, et nous entendons et nous lisons plein de décisions qui sont prises par les autorités d'éducation au Cameroun. Il y a plein de chefs d'établissement qui sont relevés de leurs fonctions. Comme qui? Comme où? Bon, je ne suis pas attardé expressément à prendre un exemple là-dessus, mais je dis, il y en a qui sont faits. Le problème, c'est qu'on ne nous dit pas le motif et celui qui est relevé, on ne peut pas savoir si c'est parce qu'il a participé ou pas, parce qu'il était un acteur ou pas. Non. Mais ce dont on doit se plaindre aujourd'hui, en fait, c'est que ceux qui sont supposés préserver cela, ceux qui sont supposés sécuriser cela, sont encore pleinement aux affaires et continuer à dire que c'est sécurisé alors que tout le monde voit que c'est pas sécurisé et que ça s'est retrouvé sur la place publique comme tu dis. Donc s'il faut sanctionner, de mon point de vue, la sanction doit commencer par le sommet. Si autant on dit que le poisson pourrit par la tête, autant lorsqu'il faut couper, il faut commencer à couper par cette tête. Donc on ne peut pas maintenir ceux qui ont le devoir de sécuriser, d'organiser, de sécuriser, de protéger, et qui ont failli, et qui sont là, pour qu'on aille plutôt chercher. C'est vrai que c'est une chaîne. Donc, en d'autres termes, il faut dégager le ministre et laisser les enseignants, les proviseurs et autres. Bon. Si je suis votre raisonnement, on ne peut pas laisser le ministre qui organise ses examens, et puis on vient bouger le pauvre enseignant qui a juste corrigé l'épreuve pour donner à la Je chaîne. Ne peux pas demander de laisser quelqu'un, c'est pourquoi j'ai dit c'est une chaîne. C'est une chaîne, mais on ne peut pas aller simplement commencer à regarder plus bas sans regarder où ça a commencé. Lorsque cette eau coule là, elle coule
de la source qui est plutôt en amont. Et c'est de l'amont qu'elle coule pour descendre et pour aller jusqu'au plus petit. Alors s'il faut interrompre cette eau, ou alors s'il faut sanctionner comme nous en sommes à la demande de sanctions, il faut commencer par là où ça a commencé à couler. On peut donc comprendre, Maître Gilles Maillot, qu'on n'ait pas de sanctions jusqu'ici, s'il faut pas le raisonnement du révérend Emmanuel Paco, qui trouve que celui qui orchestre la coulée du liquide ne peut pas aller sanctionner les enseignants qui appliquent ce qu'elle demande, apparemment. Donc, comme elle a dit que faciliter la tâche aux enfants, je veux seulement 100% partout, et les gars seront plongés pour faire, donc on ne peut pas les sanctionner parce que apparemment l'ordre vient d'en haut. Si je suis sa logique, parce que nous, on demande où est-ce qu'on en est, on est en train de corriger les épreuves, beaucoup ont attendu qu'on reprenne certaines épreuves qui ont été vraiment exposées, parce que si c'était même l'eau un peu cachée, on pouvait comprendre. La qualité d'eau que même celui qui n'est pas dans la classe là peut composer, il passe. Il y a une reprise de quelques épreuves, rien. Et là, on est déjà à l'heure des corrections. Les gens sont dans les secrétariats en train de travailler comme si de rien n'était. Oui, Rosalie, vous posez là, vous étonnez plutôt. Oui, je me demande. Qu'à ce jour, on n'a pas encore les sanctions palpables. En dehors, Yakumba. Les sanctions palpables sur la table. Mais en réalité, c'est parce que vous ne comprenez pas très bien la méthode de fonctionnement de nos services, ou bien de notre... Parce qu'en réalité, vous savez, il y a deux choses ici. Nous avons la tolérance administrative, et deuxièmement, nous avons les lenteurs administratives. Les deux choses, lorsque ça se combine, vous pouvez passer les nuits et des nuits, parce que vous voulez absolument attendre dans les secondes, les minutes ou les heures qui suivent les sanctions, pour que ces sanctions soient même d'ailleurs appliquées. C'est aussi une autre chose, parce que mettre la sanction sur la place publique, c'est une chose, l'appliquer, c'est une autre chose. Et donc, voyez-vous, tout ceci, tout ce que nous décrivons là, renvoie à la décrépitude de notre société et de notre système éducatif. Parce qu'en réalité, c'est comme si les gens pensent que le Cameroun va finir à un moment donné et qu'il faut, ils sont dans une certaine course, qu'il faut placer ses enfants à tout prix, il faut aider à ceux qu'avant un certain moment, son enfant ait le bac à tout prix de trouver le travail, parce qu'après ça, on n'est plus sûr que son enfant va travailler. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez dans un système, en réalité, on devait même d'abord annuler ces examens. J'ai vu dans les réseaux sociaux, on a écrit telle épreuve va être reprise. Non, c'était une vieille vidéo. Hein. Alors, je dis, c'est pas d'actualité. Lorsqu'un examen est vilipendé de telle sorte, ça cause des préjudices énormes, tant aux candidats qu'aux parents. Parce que voyez-vous, s'il faut reprendre, les candidats vont se remettre à étudier de nouveau. Est-ce que les parents vont le payer? Est-ce que... Non, mais parmi les candidats, ce ne sont pas les candidats qui ont mis les corrigés ou les épreuves dans les réseaux sociaux. C'est ceux qui sont censés, n'est-ce pas, organiser, encadrer, sécuriser les examens et les épreuves qui les ont mis dans les réseaux sociaux, sont pas les candidats. Et d'ailleurs, même que lorsque les épreuves arrivent, les épreuves sont, n'est-ce pas, dans les enveloppes bien scellées, telle manière que, automatiquement, ça a coulé. C'est parce qu'il y a des gens dans le système, n'est-ce pas, qu'on dit, bon, ok, comme vous payez l'argent pour faire telle chose, vous savez, aujourd'hui, je vous dis, l'organisation de quel examen des sérieuses au Cameroun. Vous savez pourquoi? À l'époque, lorsque nous participions aux examens, pendant que vous êtes, que ce soit pas pour les surveillances, que pour les corrections, il y avait un peu d'eau, on donnait aux surveillants de l'eau, peut-être de casse-croûte, et un peu et l'argent de taxi. Mais les examens aujourd'hui, que du matin au soir, tu participes à la surveillance, aux surveillants d'un examen, même pas une bouteille d'eau. Pourquoi ne pas aller dehors pour les élèves? J'ai dit une bouteille d'eau à boire. Attendez d'abord. Une bouteille d'eau à boire. Alors que il y a tout un budget qui est voté pour la commission des examens. Ce budget est voté autant pour ceux qui sont dans le secrétariat que ceux qui sont dans les salles en train de surveiller. Si ceux qui sont dans les salles en train de surveiller se rendent compte que tout s'arrête au niveau du secrétariat, c'est là-bas où on mange, là-bas où on mange du poulet, c'est là-bas qu'on boit le vin, c'est là-bas qu'on boit de l'eau, et ensemble, non, rien. S'ils ont une opportunité de saboter ce travail, ils vont saboter ce travail. S'ils ont même une opportunité de recevoir de l'argent en salle pour manger l'examen aux enfants, ils vont le faire. C'est là où ça se garde. Et lorsqu'on nous le disons, ceux qui ont mis ces épreuves sur la place publique n'avaient pas tort. Ils ont mis ça pour un certain nombre de motifs. Est-ce vous comprenez? Et je rejoins ça le jour. Peut justifier. Il y a plusieurs motifs. Ce type d'action. Vous savez, le professeur Monodjana que je convoque toujours, vous regrettez mais moi, parler de ma partisme.
Ici au Cameroun, chacun doit avoir sa part. Quand il y a une organisation et qu'il y a un budget, ne vous concentrez pas la gestion du budget entre vos seules mains. Mais ne mangez pas seulement vous seul. Quand on pose ce type d'acte, à qui on fait du mal? On fait du mal. Autant ceux qui mangent seuls pensent vous faire du mal, vous-même, nous faisons du mal. Tant aussi nous, aussi nous, quand on est seul, bien entendu, comme ça, nous tous, on revient à la case de départ. Wow. On en a des raisonnements dans ce pays désormais. Hein? On est mal barré là. On est mal barré. Donc, si je comprends bien, Edwin Volo, on te met pas au secrétariat. Tu es dans la salle. Le gombo s'arrête au secrétariat. Les gens mangent là-bas. Tu dis, mais je vais mourir où? Toi, enseignant, conscient, que tu sais que non, tu es en train d'éduquer l'avenir de demain. Un homme fera conscient. Donc, un homme fera conscient. Donc, ça veut dire que. Tout le monde aujourd'hui, là, il n'y a plus quelqu'un qui a la conscience dans notre système éducatif. On a tous faim. On est en train d'aborder là un sujet très sensible. Très, très sensible. Et dans cette sensibilité, il est bon que les gens sachent réellement comment ça fonctionne. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'ignorance dans ce qui est dit. J'aurais précisé que la nourriture qui est mangée au secrétariat ne vient pas du ministère, souvent. C'est les contributions des membres du secrétariat. Mm. Donc, l'argent vient de leur poche. Quand je le dis avec autorité. Mm-hmm. Deuxième chose, sur la question... J'espère que j'ai écrit enseignant. Voilà. Sur la question des sanctions, mm-hmm. je veux également préciser que les sanctions, d'abord la fraude, avant d'arriver aux sanctions, la fraude a ceci de particulier qu'il faut l'établir. L'établissement de la preuve qu'il y a eu fraude. J'ai entendu ça partout. Et là, je ne suis pas défenseur ni du ministère, encore moins de l'OBC, de toutes les trucs. Mais, pour le peu que nous participons souvent aux examens, il faut avoir la preuve de la fraude. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que ça s'est baladé partout dans les réseaux sociaux. Personne, moi j'ai cherché l'information. Personne ne nous a apporté, c'est-à-dire que pendant que les enfants sont en situation de classe, que quelqu'un nous montre que les preuves que les enfants sont en train de faire en classe, là. Voici ça que nous avons ici, dehors. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu. Voilà. Si vous avez vu, ok. Mm-hmm. Mais moi, je n'ai pas vu. J'ai déjà dit que j'ai vu. Comme tu dis que moi, je n'ai pas vu. C'est moi, j'ai vu, c'est que tout le Cameroun a vu. Non, ce n'est pas la preuve manière que je suis Camerounais, moi, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, est-ce que vous m'expliquez? Appuie-toi voilà. Seulement sur... Ça, c'est d'une part. Je dis donc, de ce point de vue... on peut établir la fraude. Voilà. Et c'est si tant qu'elle est fondée, c'est à décrier. C'est à décrier parce que pour l'enseignant, ça pose un problème. L'enseignant, pour ceux qui sont soucieux, ils font pleinement leur travail et au terme, ils ont besoin de se rendre compte que les enfants qui ont travaillé toute l'année passent. Et moi, j'ai envie de vous dire que le métier fait que quand vous avez un enfant qui a passé le temps à vous narguer toute l'année, s'il échoue, ça ne vous fait pas de remords. Parce que, en réalité, il ne récolte que ce qu'il a semé. Quand vous avez un enfant qui a travaillé toute l'année et quand il échoue, vous avez beaucoup de remords. Vous êtes même parfois interpellé à l'appui à lui donner des conseils l'année d'après et tout ça. Donc, on ne peut pas se féliciter de ce qu'il y a eu fraude. On se pose même d'ailleurs les questions de savoir comment est-ce que cela est possible. Parce qu'il y a quand même un procédé pour c'est justement pourquoi on est en train de dire que le gouvernement on peut remonter on se demande, c'est pour ça que en se demandant, on est aussi tenté de dire que tel que nous connaissons un tout petit peu le sérieux qui encadre cet exercice parfois de production de l'épreuve d'empaquetage et tout ça, c'est difficile quand même de parler de fraude. Après, vous dites que vous avez vu, vous êtes forcément vous avez la preuve. Je n'en suis plus à ce niveau. Pour la sanction, oui. Il y a un process. Mm-hmm. On ne sanctionne pas les fraudeurs au lendemain de l'examen achevé. Mm-hmm. Si vous êtes au fait de ce qui se passe au ministère, peut-être 2 ou 3 mois, 4 mois plus tard, il y a souvent un document, je passe sous le contrôle de monsieur, qui est rendu public. Mm-hmm. À l'intérieur, vous y trouvez les noms des enseignants, par exemple, mm-hmm. Et chacun en fonction de la faute qu'il a commise. Mm-hmm. Des problèmes de légèreté, même si c'est au secrétariat, il y a des rappels à l'ordre, en fonction de la nature de la faute.
Du coup, j'ai une dernière question. Il y a des sanctions. Vous laissez aller au bout. Oui. Pourquoi est-ce que quand ça s'est passé au DCI à Kumba, immédiatement la sanction est tombée? Immédiatement, il n'a même pas fini le suivi de l'examen. Sa sanction est tombée, ça a été rendu public. Pourquoi est-ce que dans le système francophone, on dit qu'il faut attendre 4 mois, voilà, qu'on va réfléchir et on va sortir un paquet? C'est aussi bien de poser le problème comme mais ça. Justement, je voilà, me pose la question. Et là, vous devez savoir qu'on est dans deux organisations. Je pose la question. On a d'un côté le DCBOP qui s'occupe des examens dans le sous-système anglo-saxon, et donc de l'autre côté l'OBC pour les examens du second cycle et la direction des examens pour les examens du premier cycle. Mm-hmm. Vous allez mettre le BPC, le CAP. Autre, oui. Donc ces deux fonctionnements, et même dans le cas que vous évoquez, hein, il faut dire que ce n'est pas au lendemain de la compo de d'ici que les sanctions sont tombées. Mm-hmm. Il y en avait ceux qui étaient qui célébrait la réussite et avait de l'autre côté ceux dont on disait avoir échoué du fait de ce qu'ils ont été sanctionnés pour avoir pris part à la fraude. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attente de votre sanction est très précipitée. Donc il faut que j'attende encore même 5 mois. Je ne dis pas que ça doit tarder. Je vous dis que généralement, ce n'est pas pendant la correction qu'on sanctionne les fraudeurs. Donc, pourquoi? Parce que pendant que l'examen se tient, je parle. Non, oui, ils sont parlants. Je parle que pendant que l'examen se tient, s'il y a eu un cas de fraude, on va constater la fraude. Mmh. On va entendre les gens. Mmh. On va. Et au terme de l'enquête, les sanctions sont prononcées. Donc, ce sera pas, il faut pas attendre. On ne va pas attendre ça pour demain. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne de toute façon. Ça peut même ne pas arriver. De toute façon, ça ne vient pas le lendemain. D'accord. Voilà. Non, j'ai envie de parler aussi un peu sous le regard bienveillant de l'homme de loi qu'il y a ici. Vous savez, en droit pénal, la faute est individuelle. En droit pénal, la faute est individuelle. Donc, si c'est un cas. Et de plus en plus, le ministère travaille avec la rigueur des textes de la loi, puisque les enseignants qui sont sanctionnés, les élèves qui sont sanctionnés, ce sont des justiciables. Oui. Et des citoyens camerounais qui ont des voies de recours en dehors de la voie administrative. Donc quelqu'un peut estimer qu'il a été sanctionné injustement. Abusivement. Oui. Il y a des tribunaux administratifs, il y a même des tribunaux civils. Parce que une administration peut prendre une sanction et elle est frappée de légèreté parce qu'on n'est pas allé jusqu'au fond de l'enquête. On n'a pas suffisamment réuni les preuves. Donc, je disais, quand c'est un cas de flagrant délit, c'est évident que le constat est clair rapidement fait, hein, maître. Quand c'est un cas de flagrant délit, c'est-à-dire vous prenez quelqu'un la main dans le sac, le constat est rapidement fait. Mais il y a des fraudes insidieuses qui passe par des tours où il faut enquêter. Et justement, le temps donc, des enquêtes. Si on trouve, je prends un cas de figure, hein, un enseignant en train de montrer à un élève en salle de classe qu'il est surpris par le superviseur. Oui, on établit le flagrant délit. Ça ne met pas long pour le sanctionner. Donc, logiquement, lui doit être sanctionné. Oui, on est établi. Quand on a observé, c'est comme si on lui dit « cache-toi un peu, il ne faut pas qu'on te voit ». Où allez observer ça? Je dis. Mais je dis ce qu'on a vécu, pas seulement au secondaire, même au supérieur. C'est des choses qu'on voit. C'est-à-dire, quelqu'un vient s'asseoir, il fait la correction. Et celui qui suivait lui demande plutôt de bien se positionner pour qu'il ne soit pas attrapé. Donc, c'est tout cela qui nous fait la réalité. La réalité du secondaire, du supérieur, sont pas. J'ai dit au secondaire comme au supérieur. Je vais même plus loin. On prend l'épreuve, la feuille d'un enfant qu'on sait qu'on a lui, il compose bien. On pardonne à un autre qui est un peu bête de l'autre côté pour qu'il copie. Et on demande à l'enfant d'attendre. L'enfant qui a peur est obligé d'obéir. Et l'autre a fini de copier, on prend, on vient te remettre ta feuille que continue de composer. L'enfant de Jésus? Oui. Rosalie? Ça, c'est pas puisque c'est moi qui avais. Mais non, c'est vous qui avez la parole. Je voulais juste expliquer à monsieur Vola à quel point ils sont devenus dangereux pour les enfants. Honnêtement, de mon point de vue, là où on vous voit la fraude là, ce n'est même pas là où elle se trouve. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez fait docimologie, et d'ailleurs,
C'est uniquement la science de la mesure et de l'évaluation. Donc, on voit comment critérier une évaluation. Quand elle a eu des problèmes, comment essayer, n'est-ce pas, de rattraper. Il y a des moyens de rattraper. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Si le très sérieux Cameroun Tribune dit qu'il y a eu des fraudes, ça veut dire que c'est établi qu'il y a eu des fraudes. Mais voyez bien la proportion. Ça veut dire que Cameroun Tribune a dit que le staff de taux est validé aussi. Et c'était faux. Rien n'a changé. Non, Cameroun Tribune a publié le staff de taux. Il n'a pas dit que le staff. Et il a dit que la paix, qu'il y a la paix. Vous êtes dans la polémique. Mais tout. Allons dans l'information. Quand on est technicien de la chose, moi je suis un normalien pur. Donc, quand on est technicien de la chose, si sur 200 épreuves, 3 ont fuité, c'est remédiable. D'ailleurs, j'ai envie de rappeler aux Camerounais qu'il y a 3 ans, les Français, les petits Français, ne sont pas allés en salle de classe pendant le Covid composer le baccalauréat. Mm-hmm. C'est les récapitulatifs de leur année scolaire que l'État a fait prévaloir pour leur faire passer le bac cette année-là. Et ça s'est passé comme ça. Donc, c'est remédiable. On peut décider de reprendre ces épreuves en fonction de l'ampleur et de la sensibilité de la matière. Si, par exemple, elle touche aux matières de base, on peut, par exemple, décider de reprendre. Tout comme on peut observer l'ampleur, comme je disais, si sur l'étendue du territoire national, on se rend compte que c'est peut-être dans un ou deux sous-centres que ça a réellement fuité. Parce qu'il faut le dire, hein, à cet instant, les enfants qui sont sérieux dans leur travail ne peuvent pas être sur les réseaux sociaux. C'était sorti, je crois, dans les 4 6, ils sont certainement dans leur cahier, en train d'étudier. Tout enfant sérieux, pendant l'examen. C'est comme ça que ça se passe. Et ça m'amène à la deuxième... Non, avec le modernisme, si ils sont dans les réseaux sociaux... Avec ça m'amène... Avec des enseignants, attendez, quoi, attendez, ça m'amène... Ça, l'amène à, ça m'amène à la seconde hypothèse avant de revenir sur ce que moi je considère comme la fraude dans notre système. Et ça touche à la corruption, à la corruption systémique. Donc, j'ai plutôt envie de penser que l'actuel directeur de l'office du BAC est un malchanceux. Puisque depuis peut-être 3 ans qu'il est là, il y a toujours des histoires comme ça tout autour de lui. Donc, de mon point de vue, il devrait pouvoir auditer son service, son système, puisque c'est la même administration qui travaillait depuis. Et quand vous voyez la nature des corrigés qui ont été produits, ce n'est pas un élève qui peut, ou alors ils sont très rares, les élèves qui peuvent produire ce type de corrigé. Donc, voilà. J'accuse une main criminelle au sein de la structure et qui s'évertue chaque fois à, n'est-ce pas, produire ce genre de scandale. Ça salue l'image, à votre avis? Je crois qu'il doit auditer son système pour savoir d'où est-ce que ça vient. Il y a peut-être des mécontents, peut-être des aigris, je ne sais pas, mais il faut dire que même l'année passée, il était autour d'un petit d'un scandale comme celui-ci. Donc, il doit pouvoir... Donc, à votre avis, c'est sa tête qu'on veut? Je n'exclus pas ça. D'accord. En termes d'hypothèse. Mais permettez-moi maintenant de sortir sur ce que moi j'entends par la fraude. Donc, depuis là, vous avez... Oui. Je vous indique la fraude systémique. Au Cameroun, hein, on sait que les enseignants sont fâchés. Et que beaucoup ont plus ou moins administré les enseignants. Mais vous allez voir les taux de réussite. Hein. On va vous donner des... Comme si de rien n'avait été. Comme si tout était normal dans le plus parfait des mondes. Alors, donc, moi, j'ai plutôt envie de dire que... Et j'ai un problème avec cette notion de secret que l'on impose dans l'éducation. L'éducation est une administration, une affaire publique. Et il y a un minimum que la presse, la société civile doit pouvoir savoir là-dedans. C'est après certaines évaluations, par exemple dans les concours d'entrée en première année, en sixième dans certains établissements, vous entendez qu'on a pris les gens avec, à 3-4 de moyenne
parce qu'il n'y avait pas de candidat. Ça, ça doit être proscrit. Ça doit d'autant plus être proscrit que nous connaissons les critères de délibération qui sont qu'un enfant réussit un examen quand il a une moyenne pondérée de 10 sur 20. Mais les gens vont dans des choses qui sont bizarres et malgré les difficultés que les acteurs de l'éducation notent tous les jours, l'État même qui ne finance plus l'éducation, parce qu'il faut le dire, quelqu'un était en train de noter bon, la... On est encore sur la fraude, hein, on ne fait pas... Mais on dit la même chose. Oui, mais il faut, quand quelqu'un va venir dire qu'il faut délibérer à 7 ou bien 6 de moyenne, c'est une fraude mais systémique. Bon, là on est encore en train de composer. Quand on va arriver au résultat, on va revenir madame, discuter de la fraude. Est-ce que le temps minute, le temps que vous prenez de l'autre côté, je suis obligé de prendre d'abord ici. Il faut prendre de l'autre côté. Oui, Rosalie, moi j'ai voulu réagir pendant que Léonide parlait parce que il en était à donner encore du crédit au directeur de l'EBC à qui il prête 3 années de ma chance. Ben, on ne peut pas être à un si haut poste et être autant malchanceux. Au lieu de ma chance d'année après année, être toujours en train de subir les mêmes. Et puis il lui prête encore du crédit, il donne encore un mandat supplémentaire, un mandat d'audité. Mais est-ce que la démission n'existe pas dans ce pays? Comme qui démissionne souvent? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire que dans le vocabulaire, on a des dans le vocabulaire du Cameroun, parce que dans le vocabulaire du Cameroun, le terme démission. C'est quoi on a fait les autres? Le terme démission n'existe pas dans le vocabulaire. Parce qu'un haut responsable de ces statuts qui subit ou qui connaît ce que vous êtes en train d'écrire là, devrait déposer son tablier parce qu'il n'est pas à la mesure. Il n'est pas à la hauteur. Parce que pendant qu'il crie dans les médias qu'il a sécurisé... Non, vous êtes excessif. Non. Pendant qu'il crie dans les... Permettez-moi de dire ce que je pense. Moi, je... Pendant qu'il crie dans les médias qu'il a sécurisé et qu'il n'y a pas de fraude et que tout se passe bien, nous avons les corrigés dans les réseaux sociaux. La preuve palpable que... Des adultes et des vieux. La preuve palpable qu'il n'a pas sécurisé puisque c'est sorti. Il doit démissionner. D'accord. Je voudrais parler de la constatation de la fraude comme disait monsieur Léonide là tout à l'heure. Mm-hmm. En réalité, la fraude, on s'attendrait à ce qu'on trouve un enfant, un candidat dans la salle avec des bouts de papier qu'ils appellent les cartouches. Oui, on en trouve aussi, oui. Et là, la fraude serait très facilement établie. La responsabilité serait très facilement attribué à telle ou à telle personne. Parce que lorsqu'on vous trouve avec des éléments de ce genre, donc maintenant, là, on a retrouvé les épreuves corrigées dans les réseaux sociaux. Là, ce n'est plus la responsabilité des candidats, mais la responsabilité de ceux qui étaient censés sécuriser. Et c'est pour cette raison. En réalité, ça part du haut. Vous ne pouvez pas venir dire que c'est le secrétariat ou c'est elle qui a fait ceci. C'est que si la chose était bien ficelée, jusqu'au bas de l'échelle, on ne serait pas en train. Pourquoi les sessions antérieures, il y a certaines sessions antérieures où il n'y a pas eu d'eau qui a coulé dans les réseaux sociaux, que non. Mais je vous dis au Cameroun, le problème, c'est le problème de ma partisme. Ce que monsieur Hubert vous me disait là tout à l'heure, je vous dis, si c'était le cas, pourquoi on parle du passé? Quand il y a une commission d'examen, il y a toujours un budget. Quand nous disons pas ici sur ce plateau que non, ce sont les membres du secrétariat qui cotisent. Cotisent quand ou quand les membres du secrétariat qui a cotisé. L'argent des examens, les candidats payent. C'est cet argent qui permet à organiser ces examens. Il ne s'agit pas de l'argent de l'État, c'est l'argent des examens. Et donc lorsqu'on organise un examen, il y a toute une commission, il y a un budget qui est voté. Vous comprenez? Et nous connaissons comment le Cameroun, moi partant de comment je sais comment le Cameroun fonctionne, je sais que d'autres ne mangent pas. Et quand d'autres ne mangent pas, ça crée les fâchés et on arrive à cet état de choses. C'est ça qu'il faut dire au Cameroun, ne disons pas que les membres du secrétariat cotisent. Cotisent quoi? Monsieur l'enseignant, défendez votre mangeoire. Ma minute. Et un juriste vient parler, ça gâte, le budget est mangé par ceux d'en haut. Et nous, ceux d'en bas, nous distribuons les épreuves pour qu'on gâte tout. Donc ça gâte. C'est un téléspectateur. Ma minute alors. La minute de quoi? On avait une. Bonsoir, Rosalie. C'est la qui a fait musique. Bonsoir,
que ce soir ne sont que du petit lait pour Paul Biya et sa suite. Il s'en moque véritablement de tout ça. Hein. Le thème unique est comment faire le Camerounais aujourd'hui pour reprendre le contrôle de son pays depuis en otage par des ennemis redoutables. C'est ça le thème général. Bonsoir Maman Rosalie. Moi, quand je composais le probatoire, le surveillant des classes avait demandé les gens forts en mathématiques et mes camarades m'ont indexé. Ensuite, je vous jure, lui-même prenait mes brouillons pour donner aux élèves. Et en 2002, une camarade m'a réveillé à 4 heures du matin et m'a envoyé l'épreuve de maths de corriger et c'est la même épreuve qui est venue. Voilà. Tu l'entends? Bonsoir à vous, le panel. C'est ridicule de la part du gouvernement. Tout ça, c'est parce que le mérite n'existe plus au Cameroun. Il est inadmissible que celui qui fait le concours de l'ENS et qui mérite ce concours pas échoué, mais celui qui ne mérite pas pas réussi parce que tout son père a payé et cela, c'est dû justement comment on va faire. Les fraudes là viennent sur ces enseignants qui réussissent parce qu'ils ont des parents riches. C'est la base de ces fraudes, de ces gens, Albert, depuis Douala, dont ils n'ont plus de valeur. Donc, bonsoir Rosalie, fuite des épreuves d'examen, je pense que ce n'est pas pour rien. Voyez-vous, quand les enseignants ont manifesté via OTS 1 et 2, l'État, en sa bonne qualité de monstre, a tout fait pour empêcher toute manifestation à travers des mesures de répression via les suspensions de salaire, les affectations disciplinaires et autres, et les promesses non réalisées. Mais l'enseignant est l'un des agents de l'État avec qui il ne faut pas blaguer. Pour moi, la situation des fuites des preuves révèle la désormais lutte cette fois-ci asymétrique de l'enseignant. Car je crois que si l'enseignant veut détruire l'avenir d'un enfant, il a la capacité du moment où vous n'êtes pas en salle avec lui. Madame Guesseleru, bonsoir. Il faut dire à Ma Nalova d'aller se laver au village, parce que partout où elle passe, ça ne marche pas. Notre pays ne se fait remarquer que par des scandales. C'est exactement le phénomène de faux diplômes que l'on dénonce. Comment on peut tarder pour sanctionner toute la chaîne? Nous sommes en train de décrire un phénomène grandissant lié à la corruption dont on parlait tout à l'heure. Même l'Église triche aujourd'hui. Il nous faut une grosse délivrance dans ce pays. Aristide, qui nous le dit, bonsoir Rosalie, il y a parmi vous... Il y a un panéliste qui fut mon surveillant général dans les années 2012 qui parle de corruption. Pourtant, il faisait partie de ceux qui nous donnaient de l'argent à tous les élèves. C'est bizarre, hein? Bon. Moi, je reste tranquille, je ne te demande pas c'est qui. Ah, c'est faux. Bonsoir à vous, c'est qui de la commission au Cameroun, c'est un thème à revoir. Et il dit les ascensions arrivent. Pourquoi vous posez les questions de la C'est donc un message, on lit le message. Aide-moi, je ne sais pas, tu viens de l'an 2012. Oh mon Dieu. Il a venu mettre l'inquiétude. Bonsoir Madame Rosalie, à tous les invités. En ce qui concerne la fraude aux examens, je voulais juste vous dire que les enseignants font bien leur travail. Donc, s'il y a fuite, cela ne peut venir que de ceux qui interviennent dans la chaîne de sélection des épreuves, de tirage et du convoi dans les différents centres d'examen. Jean-Charles, depuis Marois. Il y a tous les noms. Hein. Au sujet de la fraude aux examens, le mal est très profond. En plus de ce que votre panel a relevé, savez-vous que ce qui se passe dans les salles de composition qui suivent ces candidats, c'est plus une activité lucrative qu'une évaluation normative. C'est en fait ce que je voulais lui dire tout à l'heure. On n'y met plus du sérieux. Des gens sont ramassés dans des quartiers sans véritable formation préalable et sont envoyés dans les salles de composition. Dans certains sous-centres, les chargés de mission amènent leurs surveillants. Vous imaginez ça, c'est terrible. Cependant, il faut reconnaître que des efforts ont été faits et les résultats sont palpables dans un autre pan de la lutte contre la fraude. Il s'agit de la substitution de candidats. À ce jour, ce type de fraude n'est plus possible au Cameroun. Oui, de ce côté-là, peut-être. On n'en parle plus beaucoup. Avant, on composait les uns pour les autres. Je suis choqué par la méconnaissance du système des examens par tous vos panélistes. 1. La prise en charge des membres du secrétariat au regard du travail qui est abattu et de sa délicatesse, la prise en charge est comprise dans les frais d'organisation versés au chef du centre avant le début de l'examen. 2. Les surveillants de salle qui jouent un rôle déterminant, il a envoyé quand l'autre était encore en train de parler, donc on peut comprendre. 2. Les surveillants de salle qui jouent un rôle déterminant pour crédibiliser nos examens sont payés à 1500 la demi-journée. L'actuel directeur de l'office du baccalauréat est l'ancien directeur des examens.
des concours et de la certification au MINSEC. Il a donc une parfaite maîtrise de l'organisation des examens. La fuite d'une épreuve se situe à plusieurs niveaux et il peut être long de l'expliquer. Meguia Louis Samuel, professeur de lycée hors échelle. Mm-hmm. Pourquoi la partie-là doit être longue à expliquer, professeur, alors que vous avez expliqué le reste Moi, j'aurais pris plaisir à lire la longueur de l'explication puisqu'elle aurait éclairé beaucoup de choses sur ce plateau. Pour une fois que je voulais un message long, vous avez coupé net là. Bonsoir le plateau, que le juriste ne parle pas des choses qu'il ne connaît pas. S'il y a une loi, c'est depuis la cellule de reprographie de l'OBC ou alors aux inspecteurs en charge de choisir les épreuves pour être dans le circuit de distribution des épreuves. Je sais de quoi je parle. Pour que ça marche, il faut que le CM, le secrétariat, le chef de centre soient en symbiose à Tangana depuis au Bala. S'il y a l'agent, ils seront même en compiose. Ah, qui a mon pays. Je suis sûr que même Dieu se demande souvent si c'est vraiment lui qui a créé le Cameroun. Trop de problèmes. L'eau qui a coulé pendant les examens, là, les CNI qui ne sortent pas, le mauvais état des routes, pas d'électricité, la corruption, les faux diplômes. Yeah. J'ai dit, hein, le Cameroun, là, le Cameroun, toujours le Cameroun. En tout cas, vivons seulement, c'est Marie depuis la Guinée équatoriale. Rosalie, aussi longtemps que le statut de l'enseignant ne sera pas amélioré au Cameroun, nous aurons toujours ces dérives. Bonsoir à toi et à ton panel. Franck Alain Mbese Moukouri depuis Bomono Badjidou. Waouh! Quand il y avait Fundam, Joya, ministre de l'éducation nationale, qui a amené nous autres à manifester nos compétences aux différents examens pour des lendemains meilleurs dans notre parcours étudiantin. Mais ceux qui avaient moins de 5 de moyenne étaient suspendus. Aujourd'hui, nous avons des diplômes au rabais émanant de ce système cancérigène. Je n'oublie pas que les fraudeurs étaient frappés d'une suspension de 3 ans. Où en est-on aujourd'hui, Thomas Massoc? Bonsoir le panel. Le propos du juriste sur le plateau tendant à justifier la fraude aux examens est très grave et par conséquent blâmable. Rien, même l'état de nécessité ne saurait justifier la fraude aux examens qui au demeurant est une infraction prévue et réprimée par le code pénal. C'est Ruba depuis EDIA. Ouf, c'est nombreux. Hein? Est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Je prends 2 autres et on fait le dernier sujet. J'aimerais te voir un jour avec des cheveux blancs. J'imagine la beauté de ça. Chacun son problème. Ouais, ah, ouais. Diane avec le fiesse. Chacun son problème. Avec tous les messages là. Parti s'intéresser à mes cheveux. C'est juste là que tu as invité. Non, j'ai démarré un message avant de constater qu'on m'imagine en cheveux blancs. D'accord. En mamie nyangalement habillée, ma rose préférée. Je t'imagine comme ça. La corruption est une vraie nébuleuse qui n'est pas seulement l'affaire des fonctionnaires les plus corrompus. Sont ces hommes d'affaires heureux qui ont enrôlé tout le système. Ma rose préférée, à la veille de chaque année électorale, l'eau coule en abondance dans tous les robinets possibles et la vie continue comme si de rien n'était. Les enseignants sont sous-payés, c'est dans ce système qu'ils trouvent leur compte. Il n'y a qu'un tsunami violent ou le retour de Jésus pour changer les choses. C'est Cyril depuis Douala. Ah, Cyril, que Dieu nous prête vie. Peut-être tu me verras avec mes cheveux blancs, grissel, poivre. Tu réaliseras ton rêve. Vous voulez vraiment l'ascension? Commencez par le haut patronage. Le Cameroun est un pays extraordinaire. C'est Cédric. Salut, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, la fraude a été constatée dans quelle série? Loïc Debolo va lui, il a déjà peur que ce soit sa série. Oh là là, Loïc. Allez, on fait un petit pas. On parle des réfugiés. Je le disais tantôt, le 20 juin, chaque année, les réfugiés sont à l'honneur. Aujourd'hui, on constate quand même qu'ils sont de plus en plus nombreux à se déplacer. Là, je vais commencer par ici. Ils sont de plus en plus nombreux à se déplacer et malheureusement, leur intégration dans les pays qui les accueillent ne se fait pas toujours sans difficulté. Le cas au Cameroun, nous avons plusieurs situations qui créent des cas de réfugiés entre les déplacés et autres. Il y en a beaucoup au Cameroun, nous sommes une terre hospitalière, on accueille beaucoup les gens qui viennent, mais après la cohabitation n'est pas toujours facile aussi. Oui, je vais souvent dans un quartier où ça pilule. Mm-hmm. En termes de réfugiés, effectivement, la difficulté que l'État du Cameroun avec les organisations internationales. Mmh. La difficulté que notre État éprouve fait que
beaucoup se retrouvent dans des sous-métiers et la criminalité en recrute aussi un grand nombre. Je dois quand même dire que pour nos pays pauvres tels que nous sommes, c'est une difficulté supplémentaire puisque le pays lui-même, il a de la peine à pouvoir gérer ses propres enfants. Et à plus forte raison, ceux qui viennent, n'est-ce pas, de loin pour essayer de trouver un bonheur ou bien des jours meilleurs au Cameroun. Moi, étant dans un secteur social de base qui est celui de l'éducation, j'en vois tout le temps hein, des réfugiés qui sont dans des conditions difficiles et effroyables pour pouvoir, n'est-ce pas, déjà payer leurs frais d'école et venir à l'école tout le temps, s'alimenter dans des conditions normales. Les petites filles qui sont guettées par la prostitution, donc ce n'est pas évident du tout. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que l'État camerounais fait de son mieux, puisque vous savez que en matière d'emploi, ce n'est déjà pas facile pour les nationaux, mais ces expatriés qui viennent là, ils viennent préempter ces petits emplois qui sont des emplois de débrouillardise là, en principe qui sont réservés aux nationaux, et l'État laisse quand même faire pour leur permettre de se déployer et de se débrouiller tel qu'il le peut. Mais je pense que lorsque vous regardez la nature des réfugiés qu'il y a au Cameroun, il y en a eu, il y a eu les Tchadiens, un certain nombre, les Centrafricains aussi. Donc il faut en appeler à la libre circulation dans la zone CEMAC, telle que ça se fait en zone UEMOA. Ça peut aussi aider à résorber un certain nombre de choses, puisque les Camerounais même aussi, qui sont des réfugiés économiques dans d'autres pays de la sous-région, se retrouvent aussi souvent en grande difficulté dans ces pays voisins. Et ces gens se comportent de ce côté comme si la libre circulation n'existait pas. Donc je souhaite beaucoup de courage à ces personnes qui sont parties de chez elles, et on ne parle pas toujours de chez soi, de gaieté de cœur. Ouais. Je sais quelles difficultés est-ce qu'ils ont. Apôtre, l'année dernière, on était à 473 000 réfugiés et 1 million de personnes déplacées internes au Cameroun. Le chiffre a un peu bondi cette année, a été revu à la hausse. Et tout ce monde-là, c'est des personnes, en majorité des enfants en âge scolaire, qui doivent être intégrés hein, dans le fonctionnement au pays. Et au quotidien, il faut dire, comme il le dit, l'État fait beaucoup d'efforts, même si c'est pas évident. Même si ce n'est pas évident, enfant. Oui, Rosalie, je voudrais d'abord rétablir une petite différence, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont sortis de leur pays d'origine qui sont réfugiés. Oui, bien sûr. Il faut faire une différence entre les migrants et les réfugiés. Encore que même au niveau des réfugiés, il y a les demandeurs d'asile qui ne sont pas des réfugiés. Ouais. Donc, c'est en fait, c'est trois catégories de personnes qui se sont déplacées et qui ont franchi des frontières. Voilà. Donc, lorsqu'on a déjà fait cette première différenciation-là, on va comprendre également le problème que ça pose. Parce que celui qui a un statut de réfugié, il y a une réglementation qui permet même au niveau des accords internationaux de pouvoir le prendre en charge, de pouvoir le prendre en main, entre guillemets. Et puis, le réfugié qui est vraiment de statut réfugié, très souvent, ce sont des personnes qui, parce que, justement, ils sont déplacés du fait de leur insécurité pour pouvoir préserver leur vie, leur résistance et tout, très souvent, ce sont des personnes qui ont un potentiel. Ce sont des personnes qui ont des compétences et qui, en fait, c'est pas parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à s'en sortir chez eux qu'ils se sont retrouvés à l'extérieur, mais c'est pour des faits de sécurité, comme j'ai dit. On parle très souvent de guerre et puis de persécution et autres. Donc, l'État qui les accueille, avec toute la réglementation internationale qui a été mise en place, avec le concours justement de ces organisations de Nations Unies également, le Haut Commissariat des réfugiés et tout, on a cet État qui les accueille à cette, je vais dire entre guillemets, cette possibilité, puis j'ai failli dire chance, d'utiliser ce personnel et de profiter de son potentiel et de ses compétences. Donc,
créer également de l'emploi à ce personnel-là, qui a son statut légal, permet également à ceux-là de pouvoir mieux s'insérer dans la communauté d'accueil. Parce que ça leur permet de devenir plus ou moins autonome et de ne plus dépendre de l'aide sociale. Donc, l'argumentation internationale qui organise ça dispose des voies, des moyens plus ou moins qu'on sentit en internation pour leur donner de l'habitance et de moyens de subsistance, de pouvoir s'occuper au quotidien. Par contre, il y a ceux-là qui n'ont pas le statut de réfugié, qui sont des migrants pour des raisons X, Y, et qui viennent aussi grossir ce nombre-là, parce que finalement, on les appelle tous réfugiés, et c'est eux qui posent beaucoup plus de problèmes. Parce que justement, certains se retrouvent là, ils n'ont pas de qualifications, ils n'ont pas d'atouts, ils ne savent pas comment, ils n'ont rien à apporter, entre guillemets, comme ça, à la communauté qui les accueille. Mais cependant, s'ils ne sont pas pris en charge, ils sont un problème auquel on doit faire face, parce qu'il faut qu'ils vivent. Et pour pouvoir vivre dans, ils peuvent se retrouver à faire tout ce qu'ils trouvent à faire, d'où la criminalité, le petit vol et tout ça, ainsi de suite. Ça, c'est un sérieux problème pour nos États. Les moyens que la communauté internationale met en œuvre pour pouvoir aider s'avèrent insuffisants. Nos États qui ont déjà des problèmes, comme Lolli l'a dit, à occuper déjà les citoyens, ont ce besoin supplémentaire qui s'amène, mais qui est beaucoup plus dangereux parce que ceux-là, comme on dit souvent, ils n'ont rien à perdre. Ils sont dans la nature, ils sont déjà perdus d'avance, donc où ils s'intègrent, où ils persistent dans la situation, mais ils doivent survivre. Donc ils sont beaucoup plus menacés, pour ne pas dire, ils ont plus de facilité à passer de l'autre côté et à devenir plutôt un danger pour ceux qui les accueillent. Donc c'est un véritable problème, c'est un sérieux problème. Et nous félicitons nos États pour tous les efforts qu'ils font. Nous demandons à nos concitoyens de pouvoir également aider cela. D'ailleurs, nous, le Cameroun est réputé un pays très accueillant. Nous accueillons tout le monde. Et nous avons souvent l'habitude de dire que l'étranger est même mieux loti au Cameroun que nous. Parce que nous disons souvent que l'étranger parmi nos commissariats est à ferme. Donc. Voilà. Voyez-vous, le statut de réfugié n'est pas un statut à en vouloir. Parce que lorsque vous êtes appelé réfugié, ça veut dire que vous êtes parti de sur vous involontairement, après une menace, et vous vous êtes retrouvé à l'étranger. Et le processus de migration des étrangers est tel fait en sorte que vous entrez, vous traversez les frontières d'un pays sans d'ailleurs connaître les réalités de ce pays. Vous vous retrouvez, et bien entendu, le Haut Commissariat des réfugiés enregistre tous ceux qui entrent. On vous enregistre, et puis on vous identifie, pour ceux qui sont identifiables, et puis on commence à vous prendre en charge étape par étape. Pour ceux qui sont, par exemple, formés, on essaie de voir comment vous mettre à la disposition de l'état d'accueil pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous aider à trouver quelque chose. Pour ceux qui n'ont rien à faire, dans les camps de réfugiés, dans les écoles, on fait des petites formations, la formation aux petits métiers, pour pouvoir vous faciliter l'insertion sociale. Et donc, lorsque nous accueillons les réfugiés, nous les souhaitons bon courage, parce qu'en réalité, un réfugié, au-delà de ce que c'est quelqu'un qui est venu, peut-être, on peut le dire, s'ajouter, n'est-ce pas, à nous autres, mais également, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui vit deux situations. Première situation, c'est qu'il a laissé le chez lui avec tout un tas de choses. Il se retrouve à l'étranger. Deuxième situation, c'est qu'il recommence une nouvelle vie avec femme et enfant. Et les prédécesseurs ont dit maintenant tout ce qui est mal, n'est-ce pas, la vie d'un réfugié dans un pays étranger. Autre chose, c'est que ce sont les états d'accueil qui doivent en bénéficier. En réalité, pourquoi? Parce que ça peut être aussi l'objet d'une main d'œuvre très moins chère. Dans un pays où il y a trop plein de chantiers, dans un pays où il y a de la main d'œuvre qui est demandée,
Donc, les États devraient capitaliser cela. Et il faudrait également qu'on éduque les réfugiés. Je pense que ça aussi, c'est fait. Pour qu'on leur dise, bon, voilà, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes à l'étranger et vous devez vous accommoder au niveau de vie et vous devez vous abstenir d'un certain nombre de pratiques. C'est vrai que nous soyons Camerounais, Centrafricains, Maliens ou autres, il y a des habitudes, n'est-ce pas, qui sont transnationales. N'est-ce pas, que vous vous trouvez comme par exemple la débauche. Il n'y a pas que la débauche au Cameroun, peut-être le Cameroun même c'est un peu ralenti. Vous irez ailleurs qu'on vous dira que bon voilà, la vente du sexe est monnaie courante ici, ça se fait même dans la rue. Et donc, il y a une certaine éducation pour pouvoir faciliter votre insertion dans la société. Et il faut qu'on vous apprenne également un certain nombre de réglementations qui régissent la vie dans ce pays. Parce que lorsque vous venez dans un pays où vous ne savez pas que telle chose est réprimée, telle autre attitude est réprimée, vous pouvez vous lancer à faire des choses qui sont réprimées et ça vous rattrape. Donc, on leur souhaite bon courage. On dit à l'État de capitaliser cela et surtout, on demande, et il l'a dit ailleurs, on sait qu'au Cameroun, le Cameroun est une terre d'accueil. On sait très bien que les étrangers sont très bien chez nous. Et tout ce que nous leur demandons, c'est de s'accommoder à notre mode de vie et tout ira mieux pour le meilleur monde possible. Hubert Mfolo. Quand on était membre du Conseil des Nations, membre de l'ONU, il faut clairement dire qu'il a l'obligation d'accueillir sur ses terres des citoyens du monde qui sont en détresse. Parce que il faut, les autres l'ont dit, on est réfugiés parce que. On est soi. Il y a dans le pays auquel on appartient peut-être une crise politique et donc les conditions de sécurité ne sont plus réunies. Vous êtes contraint de partir. On peut clairement l'illustrer que quand on parlait du Tchad tout à l'heure, des Tchadiens ont été en proie à de nombreuses guerres civiles et donc les populations vulnérables, celles qui ne pouvaient pas faire la guerre, se sont rabattus chez leurs voisins Cameroun. On a eu le même cas avec la RCA, la fameuse guerre anti-Balaka, les Séléka. Voilà. Et donc le pays qui voisin qui garantit quand même un minimum de sécurité est contraint de les accueillir. Et l'Organisation des Nations Unies, lui également, est dans l'obligation d'appuyer ce pays-là. C'est pour ça que le HCR existe. Il faut clairement dire que le HCR est un organe spécialisé des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Ce qui est clair, c'est que en les accueillant, il y a forcément des éléments positifs. Monsieur Maître Maillot parlait de la ressource humaine, qui sera même d'ailleurs très moins chère. Mais l'autre élément également, et c'est à ce niveau-là que l'État est tenu de doubler la vigilance, c'est de savoir que ces gens qui viennent, qui sont dans la précarité, sont prêts justement à se lancer dans les activités qui ne sont pas toujours orthodoxes, qui sont très peu orthodoxes. Et rappelez-vous du fameux problème à l'Est. On a eu des cas, notamment dans la zone de Kenzou, un problème de haute insécurité qui était animé par nos voisins centrafricains. Donc c'est à ce niveau-là que l'État doit doubler. Mais globalement, c'est des situations qui peuvent arriver. C'est des gens qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas choisi à être dans cette situation. Ils ne sont que victimes quelquefois des problèmes politiques, des batailles politiques et les voisins sont tenus de les accueillir et de leur donner un certain nombre de commodités. Merci. Je guette un peu nos amis sur la toile, Kono Sako, à qui on dit bonsoir, Guillaume même, bonsoir la grande royale, Abdel, où sont les sanctions de ceux qui vendent le whisky frélaté? C'est ce que lui demande. Il a son problème. Chacun ses problèmes. Marie Amana, qui demande qu'on change le système à l'électronique. Une fois que tu termines ton examen, les résultats sont donnés. Elle nous écrit depuis les États-Unis et elle pense que ça peut aider à ce qu'on ait moins de fraude. Elle dit qu'il n'y a pas de fraude aux États-Unis. Il n'y a pas de fraude, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Et la formatisation est déjà très avancée de ce côté. Il faut dire qu'on n'a pas le courant, monsieur. On n'a même pas d'abord le courant. Et la connexion. Voilà. Donc, Maria Maya, si on n'a pas encore le courant et la connexion, c'est ce que les invités disent. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas l'électricité. Le genre de Sarakoumbe. Mais on dit aussi de manière générale qu'au fur et à mesure que les résultats ne viennent pas,
ça peut prêter à des manipulations. Aussi, donc, on en parlera souvent au moment des résultats. Et très souvent, il y a des manipulations. Donc, il faut accélérer. Ça, c'est clair. Il faut pas que ça craigne trop. Voilà. Quand ça craigne... Merci Hubert Voulot pour votre présence encore sur ce plateau. Salut pour moi, Machua Ingold Odile. Fais-lui un gros bisou de moi. Je crois que certains... Elle a dit le jour qu'elle est votre fan, forcément, elle vient de recevoir votre bonjour. D'accord. Madame la principale, je vous fais un bisou. À très vite, Maître Jules Maillot. Ça a été un bonheur encore de vous avoir. Bon partage, merci. Révérend Emmanuel Paco. Souvent, il y a fou, on est ensemble. Et merci à toi, Léonide Foum, d'avoir encore été là. On dit bonsoir à l'adjudant Endomo-Henri Collin ce soir. Ils sont très nombreux. Je ne peux pas saluer tout le monde, sorry. Merci beaucoup d'être là. Ismaël, merci d'avoir encore été derrière les caméras. Anissé Nomo a mixé cette émission pour ce soir. Ben Vaz l'a réalisé. Jean-Martin Kenfat a contribué également à la concrétisation de ce programme. Respect, monsieur Ludoné Inva. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Ilougia pour le journal en langue de Shakespeare. Il sera exactement 19h à vos pendules à la maison. Quant à moi, on se dit à demain, 17h. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.